tour et il faudra les agencer au mieux pour progresser sur différentes pistes telles que la cité, l'eau, la biomasse, le rover ou encore la technologie afin de débloquer des points de victoire et des bonus. Vous allez aussi pouvoir gagner des points de victoire en ramassant des barils avec votre rover ou des météorites. Et enfin, à 3 ou 4, vous aurez des objectifs partagés avec vos voisins de droite et de gauche qui vous rapporteront également des points de victoire. Donc, c'est disponible sur BGA, foncez le tester, vous ne le regretterez pas. On se retrouve rapidement dans une prochaine vidéo, et d'ici là, amusez-vous. Merci. Non, mais c'est pas vrai. Notre quartier. Mais bien sûr, on peut pas être que tous les deux à connaître. Genre, ça fait... ça s'est arrêté où? Au bout de l'air. Oh, le truc qu'on utilise depuis qu'on est ensemble, c'est tout en fait, y'a personne qui connaît. Et pense aux centaines de gens qui nous ont jamais dit qu'on ne sait pas. Attention, qui joue, ça c'est pas nous. Pouf. Mince, putain, je me sens con, hein. Vraiment. Plus que d'habitude. Vous êtes amateur de JCC et vous adorez jouer sur l'ordinateur et vous avez passé beaucoup de temps sur Magic ou sur Hearthstone, mais vous en êtes un peu lassé. Et bien aujourd'hui, je vous propose de découvrir un nouveau venu dans le genre. Il s'agit de Destiny's Divide. C'est un JCC free to play disponible dès aujourd'hui sur Steam. Il est en early access et il vous apportera un petit vent de fraîcheur dans le monde des JCC. Bien évidemment, vous allez retrouver un héros avec des cartes, des créatures, des sorts, mais pas que. Il y aura des auras, des énergies augmentées qui apportent pas mal de nouveautés, un plateau partagé, bref, plein de choses à découvrir. Je vous encourage à aller tester ça très rapidement. Nous, on se retrouve dans une autre vidéo très rapidement et d'ici là, surtout, amusez-vous. Fika vient d'arriver sur BGA. Fika, c'est un jeu qui a été fait par Quibus Game Design, illustré par Best Sobel et Quibus Game Design également, et publié par Board Game Circus. Il s'agit d'un jeu où nous allons prendre la pause du thé, mais en Suède. Donc nous sommes propriétaires d'un café, d'un street café, et nous allons devoir jouer des cartes de notre main qui représentent des pâtisseries, du thé, du café, dans 5 emplacements devant nous. Ces différentes cartes ont toutes une condition pour marquer des points de victoire en fin de manche et aussi tout un effet que l'on peut activer à chaque fois. Lorsque l'on aura rempli tous les emplacements de notre café, eh bien on va vérifier quelle carte marque des points. Celui qui a le plus de points, c'est un jeu à deux joueurs uniquement, va gagner la manche. On va continuer le jeu jusqu'à ce qu'un des deux joueurs ait réussi à cumuler 2 points, c'est-à-dire qu'il ait gagné 2 manches, et la partie sera terminée. Le jeu est disponible sur BGA, les illustrations sont magnifiques, tout est traduit, même s'il fait un peu mal au cerveau, je vous conseille de le tester. On se retrouve rapidement dans une prochaine vidéo, et surtout, d'ici là, amusez-vous. Chiant. J'explique le jeu. J'ai 4 points, tu me fais chier. Aussi. Il est en train de te rouler dessus, qu'est-ce que tu... Tu n'as pas rien compris au jeu. Allez, deux mois, ouais. Allez. Putain, elle en peut plus. Ah, c'est bon, c'est que je savais. Bah oui, bien sûr. Bien sûr, mais là, avec des boîtes mail. Oasis New Hope est un jeu conçu par Monsieur V, illustré par Samir Guessab et publié chez Astro Édition. C'est une course dans un univers post-apocalyptique dans lequel nous allons devoir partir de Kala, la carte numéro 13, et arriver le plus vite possible à la nouvelle oasis, la carte numéro 0. Mais il va falloir faire cela dans l'ordre décroissant et sans aucun saut entre les cartes. Pour ce faire, on va pouvoir voyager bien évidemment, c'est-à-dire piocher des cartes dans la pioche, recycler ou récupérer une carte qui nous intéresse dans la rivière, recruter des compagnons qui vont nous donner des actions comme piller pour aller dans la main de l'adversaire, ou encore s'équiper avec des boucliers par exemple pour éviter de se faire piller. Vous l'aurez compris, c'est une course dans laquelle il y a pas mal d'interactions. Donc allez le tester pour voir si ce jeu est fait pour vous ou pas. Nous, on se retrouve dans une prochaine vidéo, et d'ici là, le plus important, amusez-vous. Si vous cherchez un excellent jeu de cartes à combo sur Board Game Arena, eh bien je vous conseille The Veil of Eternity qui est sorti tout récemment. Il est actuellement en bêta sur le site et il vous proposera au cours de 10 manches de dresser un maximum de créatures et surtout de les faire synergiser entre elles afin de marquer un maximum de points de victoire. La partie va s'arrêter dès qu'un joueur va atteindre 60 points de victoire ou au bout des 10 manches et auquel cas on comptera les points de victoire pour savoir celui qui en a le plus et qui sera déclaré vainqueur. Il y a énormément de combos à faire et à découvrir.
Et bon coucou. Selon que vous étiez là ce matin. Arcon était là ce matin par contre. Bon creux. Est-ce que tu as mangé, Arcon? Est-ce que le son du jeu est pas trop fort? Faut nous dire. Il y a beaucoup de questions. Hein. Il est où? Where is the bar of the song? Et là, peut-être un poil fort. Hein. Peut-être un poil fort. Vous nous dites? Comme ça, on règle le sound. Lubi est en train de finir une petite story. Eh oui, je vais y arriver. Chef story. Je décolle dans 20 minutes. Oui, c'est bowling, c'est vrai, c'est bowling. Oui. J'avais déjà oublié. Poisson rouge, tu me contamines. Oh. Je deviens Dory. Sinon, le son est ok, ok, ok. On verra s'il y a d'autres gens. Ils nous diront si c'est trop fort, pas assez fort. Donc, c'est après, on est sur A Root. Je vais peut-être mettre la scène BGA. On y va encore mieux. Hop, 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 là. Je fais réapparaître l'oubli. Disparito. Hop, et de retour du futur. Ouais, c'est pas mal. Actualité de Dire Wolf. Dune Imperium Digital is now available. Sans déconner. Alors, conflit dans les sous-bois. Root. Est-ce qu'on est un ami? Avez-vous fait la story avec ton jeu de mots? Ben là en train, c'est pour ça. C'est pour ça elle est en train de faire. Tu veux jouer au niveau des amis, mais d'abord il faut que je finisse ce que tu as à faire. Ami. En ligne 0. Ajouter un ami. Email ou code ami. Alors ton code ami. Mais je sais pas ce que c'est le code ami. C'est quoi ton code ami? Je connais Kodama, mais peut-être que moi j'ai pas de compte. T'as mais un compte si, normalement on a forcément un compte. Compte. Tiriri tiriti. Où est-ce qu'il va m'envoyer? Connexion. Je ne maîtrise pas. Ah. Compte. Changer de mot de passe, supprimer le compte. Déconnexion. Je suis connecté. Ah, t'as bien de la chance d'être connecté. Jeu, vidéo, audio. Je suis pas sûr d'avoir un compte Dire Wolf. Moi, c'est Armiquan 8452. Donc. J'arrive à Armiquan 8452. T'avais pas de compte? Marchait pas. En bas, t'étais pas connecté dans la tête de loup, là, il te dit rien? Non, apparemment, elle est pas connectée. Oh, oh, bas, bas, gauche, droite, A, A, B, B. Ouais, mon code Konami. Pas mal. Parti en ligne, après, ça sera. C'est bizarre qu'il y ait quand même pas de passerelle quand tu fais partie en ligne, là, que tu puisses pas de suite un... inviter quelqu'un qui est déjà un ami avec toi, quoi. Bon, tiens, je te laisse finir, je vais m'occuper de mon dialogue. Ah, moi, je vais faire envoyer, ça va être dit. Relis, parce que c'est... Ah ouais, elle est jamais sur d'elle. Bon, mais j'ai pas de compte. Allez, on va dire que j'ai pas de compte. On va dire qu'il me connaît déjà. Mais c'est très bien. Pourquoi t'hésites tant de temps que ça? Non, à l'écran. Pour changer, on va s'appeler Lublin. Terminé. Tu vois, c'est vite fait. Petit caribou qui m'a mentionné dans un temps en cours. La musique de ce jeu est excellente. Ouais, mais là, je les ai pas mis dans les oreilles. Oh non, tu vas pas nous mettre le son. Léger. Ils vont avoir le son en double. Mais non, ils ne l'entendent pas, là. Allez. Alors. Nouveau poste sur Didi, je crois que je l'ai vu. C'est les photos. C'est des étagères qu'il faut remplir avec des achats. Ami, comment on voit le code ami du coup? Ah non, dans le général. D'accord, je regarderai après, c'est une vidéo. C'est bon?
C'est où qu'on voit mon compte? Je sais pas. Essaye avec 84,52 là. Je vais me rajouter un ami. En bas le plus, le gros, voilà. Code ami, essaye. Ramitoine plus 84,52. Je sais pas si c'est ça. Le plus marche pas. Plus, comme ça. Bon, si elle trouve quelque chose. Invitation envoyée. Voilà. Ah oui, moi, Lubinia, c'est plus. Mais fallait me dire où c'était. 0,659. Je l'ai dit, mais. T'es occupé à faire autre chose. Qu'est-ce qu'on fait avec les gens comme ça? Est-ce qu'on... C'est bien. Bon. Partie en ligne. Créer une partie. Faction aléatoire. Ouvert, ouvert. Ah, est-ce qu'on peut jouer tous les deux, mais avec des bots aussi? Ah oui, c'est vrai. Oui. Faction aléatoire. Ouvert, ouvert, ouvert. Attends, sinon, si je fais fermé. Fermé. Ouvert. Oui. De l'IA. Sélection de la carte. Faction disponible. Il y en a un paquet. Hein. Standard. Re. Le petit caribou. Bon début de partie, je mange, je reviens après à tout. Ça marche, ça marche, ça marche, merci. Mot de passe. Ah, on va mettre un mot de passe. Mettre ça. Est-ce que je mets un point de si mon nom de faction n'est pas recommandé jouer? Ok, ok, donc c'est... je pense que je vais prendre canopée. Alors j'écris une partie, tu devrais la voir dans les parties, une partie en ligne, hein. Et on va avoir une partie d'Army Quad, quoi. Quelque part, hein, par là. Ah, tout en bas, elle y était, tout en bas. Et pourquoi t'as pas eu besoin de mettre un mot de passe? Protégé par un mot de passe. Voilà, si je fais rejoindre, peut-être. Ouais, marquise. Moi, je fais ça. Et tu as dit que tu voulais pas jouer canopée, donc. C'est Lublinia. Avec un majuscule? Non, je crois pas. Pas déconner, non. Oh merde. Après, ce qu'on peut faire, c'est jouer avec en faction aléatoire avec deux bottes aussi. Mmh. C'est mieux qu'une botte. Oui, ça marche mieux avec deux bottes. Petit caribou est passé, mais elle va manger. Bon appétit. On va voir ce que ça donne, on ne maîtrise pas du tout le durée de la partie. Alors, le marquis de chat choisit l'emplacement de son donjon. Il démarre dans un coin, je crois, de mémoire, et moi, je vais me démarrer à l'opposé. Donjon qui, je te le rappelle, office de l'hôpital de campagne, donc il te permet de récupérer tes petits blessés en défaussant une carte de la clairière où l'unité est morte. Ah, je vais aller là-haut, il y a deux emplacements de bâtiments. Ouais, c'est vrai que là-haut, il y a deux emplacements, et donc la marquise choisit une clairière où placer sa Siri. Regarde bien tes cartes que tu as de départ aussi. Hein. Pourquoi? Ben, parce que après, si tu veux... Parce que d'en avoir besoin, quoi. En fonction des majorités, tu sais, tu peux fabriquer que dans la clairière, ou tu vois, la carte que tu veux fabriquer, il faut que tu aies les enclumes du bon truc. Là, j'ai rien de toute façon. Bon. On va dire qu'on va jouer ici. On va jouer chat. Chat. C'est pas chat, c'est renard, ça. Maintenant, où tu dois placer ton atelier? Alors, l'atelier. Tu aurais pu tout mettre au même endroit, je crois, ouais. D'ailleurs. Est-ce que ça aurait été une bonne idée? Je sais pas. Et n'oublie pas que le bois, tu dois l'acheminer. Mmh. Là, il n'y aura pas les castors pour prendre les bateaux. Donc la rivière va te saouler. Ouais, mais là, ça va. Mmh. La scierie, elle est là. L'atelier, si on le met là, il sera relié à tout. Et tiens, je vais le mettre là-haut. Le recruteur. Ça, c'est celui qui te fait que pour chaque recruteur, quand tu fais l'action de recrutement, tu fais pop une unité. Donc... Ah bah oui, 13h10. Il a mangé là-bas au moins. Le recruteur, bah, je vais le mettre aussi au début. Hein. Peut-être très mauvais hein, comme strat. Hein.
Bah, on... Appuyez sur continuer pour confirmer la mise en place. Moi, je suis forcément dans la diagonale opposée. Comme Linda le... Et je dois choisir un dirigeant, donc qui est le bâtisseur. Déplacement et recrutement. Ignorer le mépris du commerce quand vous fabriquez. Je ne sais pas ce que c'est que le mépris du commerce. Charismatique. Placer deux guerriers au lieu d'un lorsque vous recrutez. Le commandant en attaquant en combat infliger une perte additionnelle. Et le despote, si vous retirez au moins un jeton ou bâtiment adverse en combat, marquez un point de victoire. Un jeton ou bâtiment adverse en combat. Je pense que je vais prendre le charismatique pour l'instant. L'idée. Ah. Donc, décret de combat. J'ai un joker en recrutement et combat. Ça, c'est grâce à mon dirigeant. Ok, c'est ça que ça voulait dire. Et je dois placer aussi quelque chose. Donc on a dit qu'il fallait placer un maximum de jokers. Parce oui. que les jokers, c'était... Voilà, sinon, après, je vais être embêté. Tu te rappelles qu'en cliquant en bas sur ton portrait, tu as toutes tes actions qui sont à voir expliquées. Et, Je vais le mettre en construction. Et après, il a dit que déplacement, c'était possible parce qu'on a toujours la possibilité de se déplacer vers ou d'une clairière... qui utiliserait ce symbole-là. Maintenant, je démarre là. Est-ce que je suis obligé d'en mettre une deuxième ? Oh, c'est bon. Donc là, c'est à toi, apparemment. C'est à moi. La dynastie de la canopée considère que ses options de fabrication. Aucune carte à fabriquer. Appuyez sur continuer. Choisissez une clairière, recruter des guerriers. Hop, j'ai pas le choix. C'est bon, ça démarre là. Boum ! Et j'en fais deux parce que j'ai un leader charismatique. Aucune clairière ne correspond à votre décret de combat. Continuez, subissez une crise. Ah. Bah, j'ai un joker. Ah mais j'ai pas fait de déplacement. Oui, donc tes unités sont chez toi. Oh non, je suis déjà en crise au premier tour. Mais refais. Mais je peux pas. Je peux pas annuler. Je peux pas revenir en arrière, c'est pas possible. Non, je crois que la canopée c'était hyper dur. Ah si je peux. C'est juste c'est ça qu'il faut que je mette là. Hein. Je crois que. Les constructions. Après tu peux toujours faire le recrutement. Au pire, vu que tu as déjà ton nichoir dans une zone lapin. Ah mais t'as pas de carte lapin. Non, j'ai pas. Ça va qu'on peut revenir en arrière, parce que sinon c'était la misère. Je vais faire ça. Let's go. Aucune... Ça, tu sais pas. Aucune carte à fabriquer. Je fais apparaître mes guerriers ici. Alors on apprend encore le jeu. Hein. Il faut que tu les déplaces. En déplacement, je vais essayer la clairière depuis laquelle vous voulez marcher. Je crois qu'on va aller plutôt par là, je pense. Je sais pas trop. Celle-là. Je veux me déplacer là. Et je vais envoyer. Pourquoi il me dit que j'ai 8 bonhommes ? Bah parce que t'as 8 bonhommes. On va en envoyer 3, c'est pas mal déjà. Je crois que tu peux te déplacer deux fois. Hein. Choisissez l'adversaire que vous allez combattre. On sait pas. Peut-être ce monsieur-là. Allez, fait 3. 3-3. Donc le principe de route, c'est qu'on jette le 2D, l'attaquant prend le dé le plus haut et le défenseur prend le dé le plus bas. Il faut surtout pas faire des égalités. Les égalités fait que vous prenez autant que ce que vous avez infligé. Ok. Donc moi je peux défausser une carte correspondant à l'emplacement de l'hôpital de campagne. Donc renard pour faire repop ton unité. Mais j'en ai pas. J'ai pas d'unité morte. Ah si, j'en ai tué une donc. Ah oui si. Je peux faire apparaître un renard, ok. Si tu veux défausser une carte renard, tu fais réapparaître ton unité. Je vais peut-être faire ça. Ça, c'est toi qui vois. Hein. Hôpital de campagne. Hop là, donc elle a défaussé une carte renard, comme j'ai une unité en renard, ça fait réapparaître un renard. Tu peux leur montrer mon... vont produire du bois. Tu peux montrer mon écran, peut-être. C'est mieux. Ah, mais en fait, on a le récap de nos actions. Ouais, moi je l'ai pas mis. Et donc dans le dans route on a les actions qui sont séquencées. Le chat à l'aurore
il y a forcément un bois qui se produit dans la scierie. C'est ce qui vient de se passer. Et ensuite, on fabrique des cartes. Et après, on utilise trois actions parmi combattre, marcher, recruter, construire ou surmenage. Et ensuite, on repioche. Et ça, c'est propre à la marquise de chat, parce voilà, que moi, mes actions sont en fonction de mon décret. Et si je ne peux pas réaliser les actions de mon décret, ben, je passe en crise. Je peux leur laisser, t'as vu, si tu veux. Je n'ai pas de carte à fabriquer. Donc là, le jeu, il me dit, bah, continue. C'est juste qu'il faut que je fasse après, que je pense à switcher à chaque fois, quoi. Et donc là, je suis un peu perdue, parce que moi, mon but, là, du coup, c'est d'avoir des points. Pour faire des points, il faut que je construise des bâtiments. Donc, des ateliers, des scieries, des recrutements, etc. Sachant que les bâtiments comptent sur la majorité des dans les zones. Alors, peut-être qu'il faut que je déplace nos caméras sur ce jeu, parce que là, c'est derrière des trucs. Ah oui, c'est bien. Je s'occupe. Si je fais construire, est-ce que je peux construire quelque chose? Je peux construire, oui, parce que j'ai du bois. Je vais te mettre là. Et moi, je vais me mettre ailleurs. Hop là, comme ça, les gens, ils verront ça. Bon, je me mets par là aussi. Ça, peut-être vous verrez mieux quand même la petite interface en bas là. Alors comment je fais pour utiliser mes cartes en tant que chat? Eh bien, moi, j'ai pas joué chat. Enclume, ça fait je sais plus quoi et ça fait 2 points de victoire. Mais il faut que tu. Ça c'est les constructions, c'est les bâtiments. Donc là il faut juste défausser du bois. Ça c'est à moi donc ça n'a rien à voir. Et les cartes, ça dépend des cartes. Là, je crois pas que ce soit une carte à fabriquer, ça. C'est une carte à jouer, juste, non? Bah, je sais pas. Comment je les joue? Est-ce que t'es à la phase où tu peux jouer des cartes? Non? Dans ta phase, t'en es où, là? Non, là, j'en suis à jouer. Ah, je pense que c'est avant, hein, c'est avant fabrication. Si t'es déjà dans la phase des actions, ça veut dire que tu pouvais pas la fabriquer. Ok. Sinon ça t'aurait mis... Ouais, dépêche-toi parce qu'il y a un chrono qui tourne. Ouais, mais c'est... Ouais, mais j'ai rien réglé, donc... Non, c'est juste que ça t'es en train de réfléchir. Si, il y a un chrono quand même. Hein. Le truc, c'est qu'après, ça passe ton temps. Tu vas me râler. Je vais construire ici et je vais construire une scierie. Parce que les scieries, on est bien d'accord que ça me donne un bois à chaque début de tour. Oui. Je vais construire une scierie. Ici. Voilà. Mais j'ai plus de bois. Donc là, déjà, l'action de construire, elle est bloquée. Je peux déplacer des petits chats. Je peux recruter. Ça, je vais peut-être le faire. Je vais recruter. Donc là, partout où tu as un recruteur, tu vas récupérer une unité. Alors pour l'instant, tu n'as qu'un recruteur, mais si tu avais plus de bâtiments recrutement, tu popperais à plein endroit. Je vais déplacer. Te dépêcher parce que. Et je vais aller le faire venir ici. Je vais en déplacer 2. Et je crois que je peux le déplacer 2 fois, je crois. Avec le chat, c'est 2 mouvements. Et c'est ça. Clique parce que... On clique. Et ton temps est écoulé en fait. Appuyez continue pour terminer le tour. J'espère que ça t'a eu le temps de faire tout ce que tu voulais. Allure. Donc, génial. Je suis obligé en plus de... De mettre une carte. Je suis obligé de mettre une carte en plus. Ouais. Très bien, très bien. On va faire ça. T'as remis ton écran ? Après. Ouais, c'est bon. Donc j'ai mis mon décret. Phase de fabrication. Je pourrais fabriquer ça parce que j'ai une icône, je crois, de plateforme comme ça. Let's go. Ça me donne un de voyage, je crois, où ça fabrique la botte. Ça fabrique la botte et un point de victoire. Alors que dans ton inventaire, tu dois avoir l'objet botte. Ouais. Je peux me déplacer, donc là, je vais... On a des objets. Quand il y a le vagabond qui joue, le vagabond peut venir nous acheter
les objets que l'on a fabriqués pendant la partie. Les objets. On va se déplacer. Ici. Pour faire le combat où on veut. On va en déplacer 3. Déplacement. Déplacement. Ensuite, on a le combat, ça va se passer ici aussi. On combat l'oubli. Là, je jette un dé. 2 dés. Oh, 0-0, j'ai envie de canner. C'est abusé. Putain, j'ai fait double 1 et double 0, quoi. Allô. Et ici, on construit. On construit un perchoir. J'ai fini mon tour. Pam, 2 perchoirs, 1 point de victoire. Je suis déjà à 2 points. C'est bien, moi je Je remets l'écran à l'oubli. Moi je fabrique 2 bois dans chacune de mes clairières. Bon après-midi, Arcon. Bon après-midi. Et coucou, Lucky, tiens. Salut. Comment ça va? Donc effectivement, maintenant je peux fabriquer cette carte. Je ne sais pas pourquoi. Mais... Ah si, parce que ma zone de construction est en souris. Donc effectivement, il faudrait que je fasse une zone de construction dans une autre couleur. Donc je construis une carte qui me fait 2 points et s'il y avait le vagabond parmi nous, je lui mettrais à disposition une théière. Mais pas de vagabond, on est qu'à 2 joueurs. Ça on le voit, ouais, objet fabriqué, j'ai fabriqué une botte. Donc là, aucune carte à fabriquer parce que ça y est, j'ai déjà fabriqué. Et donc là, je dois choisir. Il me reste, j'ai 2 bois. Donc soit je construis, j'ai les coups ici, soit je construis un recrutement, un atelier. Comme ça, ça va utiliser 2 bois. Ouais. Soit je fais 2 recrutements pour essayer d'aller chercher une carte et d'avoir plus d'action au prochain tour. Le problème, c'est que je crois que c'est que t'as qu'une fabrication. C'est autant que tu veux ou c'est un bâtiment? Ça va faire 2 actions, je pense. J'ai 3 actions. Ouais, c'est ça. J'ai une action de construction, ouais. C'est un bâtiment. Donc. Je vais peut-être mettre un recruteur. Tu connais Root, Lucky Tia? On est sur la version Steam, ça fait un moment qu'on avait envie de faire un peu de jeux vidéo, enfin de jeux de société et jeux vidéo, parce que nous on aime bien mélanger les deux. Et donc les adaptations, on essaye depuis un petit moment, on n'a pas eu trop les créneaux en ce moment, ouais. Mais là c'est l'occasion. Donc je recrute en souris. On aura du Unmatched à faire aussi, version Steam. Donc je pense que voilà, de temps en temps vous nous verrez comme ça aussi, en dehors de BGA sur ça. Alors je vais construire... Et du coup, ce soir, c'est vite au coup. En plateau, en vrai, à la maison, en dur. Je pense que je vais un peu galérer à faire le setup cet après-midi, mais on verra. Je construis un atelier ici. Et donc, plus je construis de bâtiments, plus j'ai de points. C'est combien? 30 là, ou 40 points? C'est 2, quoi. Non, mais c'est 40 points, ma fin de partie. Aucune idée. Et donc là, maintenant... Je sais pas, c'était 25, je crois, ou 30. Mais 6-2, quand même. Il va falloir que j'arrive à te... à t'embêter. En recrutement, je peux recruter 2 guerriers. Je pense que c'est ça qu'il faut que je fasse pour le moment. Je n'ai jamais joué ni en plateau ni sur Steam. Oui, je suis d'accord, c'est très sympa. J'avais Dorf Romantique et Dark Ragnar en version PC avant de les découvrir en jeu de plateau. Vite au coup ce soir. Ouais, ce soir à partir de 20h15, comme ça, on voilà, sur le live en plateau. Est-ce que je peux me rajouter une action? Est-ce que là, ils ont mon écran encore. Tu vois, c'est ça. Mais reste sur le tien, sinon c'est pas grave. Ben non, mais c'est juste que j'y pense pas. Est-ce que je veux me rajouter 1 truc, ça va être compliqué, ce sera pas petit, il faut pas. Là il y a ça, il y a ça. Ah puis le problème c'est que je peux pas, je suis obligé de rajouter une carte en plus, c'est ça, t'as pas le choix. Ouais. En fait c'est... ça c'est rude. Hein. Et c'est rude parce que tu n'as pas par exemple le peuple des lézards qui te vend des cartes. Et du coup tu pourrais acheter des cartes dans des couleurs qui t'arrangent. La config à 2 joueurs, je sais pas si le jeu est beaucoup joué à 2 joueurs, nous on l'a découvert il y a pas longtemps donc. Je vais faire du déplacement avec ça. Voilà, je vais augmenter ma faculté de déplacement. Cool, je ne le connais pas non plus, j'avais suivi leur sortie, mais je n'ai pas les joueurs dans mon entourage, je pense craquer pour route un jour quand même. Bah nous, on a trouvé ça vachement sympa à plusieurs. On l'a découvert à Blagnac, il y a la vidéo sur la chaîne. Mais bon, on a filmé en live directement depuis le ciel, donc c'est pas forcément idéal pour voir le jeu.
Mais on a joué à 5 en partie découverte, c'était pas évident. Je peux faire recrutement, je peux choisir maintenant de recruter un peu où je veux. On va recruter là, ici aussi, je pense. On va faire apparaître 2 guerriers ici, ça va commencer à être pas mal. Une clairière depuis laquelle je veux marcher, on va partir d'ici. 4 bonhommes, on va aller là en face. On va y venir avec 3 bonhommes. Qu'est-ce qu'ils sont violents, ces corbeaux? Je me déplace, papapapapam. Et je peux me déplacer 2 fois. Ah, j'avais pas pensé qu'il fallait que je me déplace 2 fois. Quelle naze. Ici, ici. Et je vais en envoyer qu'un seul. C'est juste parce que je suis obligé de faire l'action. Hein. Ok. Je veux combattre. Je veux combattre. Je veux combattre ici. Alors, j'ai fait égalité tout à l'heure. Allez, pas double 0, ça suffit. Hein. Ah, ça va. 1-0. Je prends pas de perte. Aïe, aïe, aïe. Tu vas pouvoir défausser du renard si jamais tu veux faire revivre ça. Et je vais construire un perchoir. Voilà. Et on continue. 3 perchoirs, 2 points. Et un petit pioche une carte. Il avait bonus carte, celui-ci. Pourquoi le bonus carte? Ben, si tu regardes... Plus de cartes durant la phase de... Non, mais regarde ton plateau. Tu peux piocher plus de cartes en construisant des perchoirs. Ton plateau personnel, là, le perchoir que tu as construit, il y a 2 points. Ah oui, c'est celui-là. Comme je suis arrivé à ça, j'ai débloqué le fait de nous faire... Ok, ok. Je vous mets sur la vision côté Lublin. Alors, déposer une carte correspondante pour que l'hôpital de campagne fasse apparaître un guerrier devant notre donjon. Donc, ben, je vais le faire, je pense. Elle est quand même pas mal, la version Steam. Hein. Ouais. Direwolf font des bonnes adaptations. On prend et on glisse la carte. C'est quand même pas mal. Hein. Donc là, moi, la particularité des chats, c'est qu'ils ont des hôpitaux. Et du coup, quand on perd une unité, à son tour, on peut défausser une carte pour faire revivre une unité. Donc, je n'ai pas de carte à fabriquer. Alors, je comprends pas mes prérequis, du coup. Parce que je pourrais fabriquer un lapin, et là, je peux fabriquer un souris, normalement. Mais qu'est-ce que ça veut dire, du coup, pourquoi mon prérequis n'est pas respecté? Il te faut 2 lapins, là. Ah, 2 zones lapins. Deux lapins ou 2 trucs, là, c'est que des cartes avec 2 doubles zones, donc... Donc il faut des fabrications en double zone. Alors nous on va se déplacer, on va aller latter du corbeau, je pense. Hop, 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 hop. Attention, hein. Attention. On va se déplacer, par contre le déplacement est compliqué là. Les corbeaux, ils commencent à nous... À quoi? À nous courir sur la déco. N'importe quoi. N'importe quoi. Alors, qu'est-ce que tu fais? Ben, je déplace mes unités. Ça bouge. Et on va combattre. Tu veux combattre où? On est en conflit où? Ah, là-haut, là où il y a 1-3? Bah, pas 1-3, 3-3 j'ai mis. Ah, tu peux dézoomer. Ah oui, 3-3, je le voyais pas, mais j'étais resté sur la vue. Ah ouais, directement là au milieu, t'es venu. Bah, écoute, j'espère que tu vas faire 1-1. Voilà. Mais oui, t'as... Je sais pas ce que t'en rapportes déjà ton truc là. Oh là là, 3-3. Génial, super. Bah non, pas super. Super. Ah, j'ai perdu tout. Non, t'as pas perdu parce que du coup, ton perchoir... Bah ouais, mais j'ai perdu 3 bonhommes. Bah moi aussi. C'est relou. Moi aussi. T'aurais pu faire 3-0, donc je vais pas me plaindre. T'aurais pu faire 1-1 et ça aurait été quoi. 3-3. Génial. Dénial. Ça ne s'est pas passé comme prévu. On va construire quoi? Donc on a dit qu'il me faudrait ou 2 lapins,
Bon, de la peine, j'ai peur que ça se fasse attaquer. Attends, mais le machin là, il peut construire que des perchoirs. Hein. Oui. Ah, donc en fait, se mettre une carte fixe en construction, c'est la mort. S'il y a forcément un moment donné où tu vas passer en crise. Ah oui, si tu penses. Bah oui. Oh, c'est trop la misère comme faction, quoi. Faut que tu dézoomes. C'est pas une histoire de dézoomer là. Mais pour qu'ils voient mes actions. Même si t'as deux emplacements, tu peux avoir qu'un seul perchoir, on est d'accord. Et du coup, un truc de construction en. Oh la misère! Un lapinou! Moi je vais là où? Je vais là-bas. Qu'est-ce que c'est ton truc de construction? Il est en quoi? En tête de loup. Je sais pas comment on dit. Et ouais, je ne peux fabriquer que des perchoirs. Voilà, donc je fabrique un atelier pour deux bois en zone lapin. Et mon tour est fini avec un timer négatif. Tu vas au bout du timer à chaque fois. Hein. Ah ben... Écoute. Moi, j'ai pas des actions qui sont déjà finies. J'ai envie de canner. Tellement. De toute façon, quitte à passer bientôt en crise, j'ai envie de te dire... Moi, il faut que j'aille là-bas. Moi, je vais là-bas. Faut que je me déplace à partir de souris. T'en as trois. Hein. Des ombres, parce que moi, j'ai pas la même affichage. Ça. Je vais recruter en renard. Et je vais me déplacer en souris. En plus, moi, je peux faire le déplacement joker ici. Combat joker. Les constructions là-bas. Bah joker, ça va aller. Salut Choto. Est-ce que vous pourriez jouer à Root ou à Everdell à deux joueurs? On n'a jamais joué à Everdell. Non, Everdell, on n'a jamais joué. On n'a jamais joué à Everdell. Et est-ce que je ferai pas recrutement ici aussi? Parce que si tu dézoomes un petit peu avec ta molette, t'as les meeples. Dézoomer. Et du coup, ça compte plus facilement peut-être tes unités. J'aime pas trop dézoomer. Aucune carte à fabriquer. On y va. Clairière ou recruter des guerriers. Donc j'en veux ici. Enfin, j'en fais pop 2. Okay. Pour faire revenir du monde ici. Et oui. Ensuite, j'ai joker et lapin. Donc, lapin forcément c'est ici. J'irai au bout du timer. Pas mal. Moi je vais toujours au bout du timer. Hein. C'est terrible. Et on va faire ça. Hein. Bon, on va apparaître ici. Voilà. Déplacement. J'ai un déplacement joker. Donc là, on va partir du lapin. On va aller vers la clairière souris. Et on va en déplacer deux. Mm-hmm. Je me sens un peu seul. Et deuxième déplacement, on va partir d'ici. Pour aller là-bas. Et on va en déplacer 3. Ah oui, non, ça se rapproche là. Et on va attaquer là-bas, parce que je vais pouvoir en construire hein, que là-bas. Et on prie. Ne pas de double zéro, s'il vous plaît. Je perds quand même un mec. Vite canné. Mais moi aussi, j'en perds un. Bah, heureusement. Ça, tout le monde s'en fout. Mais bien sûr. Et je construis un perchoir. Depuis quand les chats, les oiseaux, ça met sur la gueule les chats. 4 perchoirs, 3 points, 7, 8. Je suis toujours derrière et je sais que bientôt je vais... décliner. Je vais passer en crise, quoi. Donc parce que là, il n'y a aucun monde où j'arrive là-bas. J'ai cherché du double lapin pour pouvoir construire le cordonnier. Au début du crépuscule, je pourrais effectuer un déplacement. Je crois que je perds 6 points si je passe en crise en plus, hein. Je crois pas, hein, je vois. C'est trop la violence. Hein. Le Kika qui aime bien l'emote de Shoto Todoroki. Comment il va le Shoto Todoroki aujourd'hui? Alors, j'ai fini de fabriquer les cartes parce que je n'en ai plus assez. Ici. Ce matin, on a été sur solo leveling, Shoto. Dommage que tu n'étais pas dispo.
Je crois que ça t'aurait plu de me voir galérer. Ah, attends, j'ai oublié de vous remettre sur l'écran de Luby. Il y a un équilibre à trouver et c'est pas vraiment facile. Il y a un équilibre à trouver que globalement t'as 8 points. Moi j'ai 8 points. Mais il faut arriver à combien, 30 ou 40? Je sais pas. Je m'en rappelle plus. Réserve. Mm-hmm. Agrandir. J'irais bien me battre avec des oiseaux quand même. Il m'embête un peu trop, mais ou alors les, ces oiseaux... je continue à m'installer dans la zone et je les accueillerai gentiment un peu plus tard. Mais moi je vais passer en crise, je vais tout perdre. Je construis, qu'est-ce que je pourrais construire parce que je construis lapin, et là j'ai souris, il faudrait que je construise des cartes souris. Voilà. J'ai pas assez. J'ai fait un atelier, ça coûte 3. Donc j'ai pas assez. Et donc je vais te construire un recruteur parce qu'il va me donner les cartes. Mais je voudrais pas le mettre à cet emplacement là du coup. Je sais pas comment on fait pour annuler cette action. Il y a une petite retour arrière, la flèche. Parce que là je voudrais y mettre une construction de type construction. Le monde est petit, hein. Donc on va. Attends, c'est pas ce moins lourd. Construire. Elle construira. On construira ici un recrutement. C'est un peu risqué parce qu'il y a vraiment beaucoup de. Je vais tout péter. Il y a beaucoup de. Si je passe en crise, je rase la map. plus de PAM, 10 points. Donc, ça a l'air tellement plus simple le chat à hein, faire des points, c'est fou. J'ai l'impression que tu galères zéro quoi. Et je recrute. Parce que toi, t'as aucune contrainte en vrai. Bah, j'ai des contraintes que c'est dur de. De quoi ? T'es pas sous le joug de ton peuple se révolte et tu passes en crise. Hein. Imagine-moi, là, ils sont à deux doigts de me jeter des tomates. Hein. Me faire tomber de mon arbre. Tant pis, je l'abandonne, ce petit chat tout seul là. Ah, lui, bon, lui, il va prendre cher. Je lis, mais... Ouais, ou alors j'ai pas d'action bonus donc. Bonus. Bon, allez, tu vois que le timer n'est pas content. Action, il reste une action. Ouais, mais j'ai que du combat, tu vois. Alors, soit je l'utilise pour qu'il te décime un peu des guerriers. Je peux le faire. Et tu fais bien ce que tu veux, mais ton timer commence à râler. S'il fait 1-0, il y en est bien. Eh bah oui, bien sûr. 0-0-0-0-0-0-0 2-0. Et un oiseau de moins. C'est inadmissible. Et voilà, plus d'action. Donc, utiliser les 4 cartes fabriquées. Je sais pas ce que t'as comme carte fabriquée. Au début du crépuscule, je peux effectuer un déplacement. Oh là, trop d'options. Ouais. Lui. Il va aller. Trop d'options, 30 secondes il reste. Il va aller par là, rejoindre la Troupaskaya. Non, on va se mettre là. Troupaskaya ? Troupaskaya. Troupaskaya. Vous pouvez continuer. Continuer. Même ici là. Oh, j'ai une carte bonus. Alors, qu'est-ce que je peux faire ici ça, c'est pas mal. Hein. Ça, c'est pas mal, c'est pas mal. Non, le mec, il a full carte bonus. Il joue et piaf. Oh, tu rigoles ou quoi? Je suis en galère. Arrête-toi, quoi. Là, c'est vraiment pas sympa de me dire ça. Okay. Oui, voilà, ça fait des attaques, bien sûr. Bien sûr, ça fait des attaques. Hein. Non mais 3 déplacements ça doit suffire. Hein. On part de là. Et on en fait on voit tout ça. En tout cas les graphismes de route sont super sympas, je trouve. Ouais, il y a une belle patte graphique. Et elle sert bien la version numérique aussi du coup. Je recrute des guerriers, donc en lapin, je n'ai pas le choix. C'est ici que ça se passe. La musique est pas trop. Présente, ça va sur le live. Renard, ça va partir d'ici, je pense. Ouais, tu crées des personnes d'ici, quoi. Je me demande si je veux pas faire double recrutement à partir de là.
ça renforce. Ça renforce le nid central. Ah ouais. Ça va mal se passer. Déplacement. Déplacement. Partir de là et ramener du monde d'ici. Bon. T'as trois déplacements à faire. Ramener deux. Deux comme tu veux et un à partir ouvert des lapins. Une zone lapin, c'est ça. Et là, on va aller là-bas. Bon, et là, on en amène. On va en amener 10 moins 6, ça va rester 4. On va en amener 6. Déplacement. À partir d'ici, on va aller ici. On va en amener 3, je pense. On va en amener 4 même. Non, mais ça va, oui. Ici, on va faire la guerre et on va prier pour tout péter. Là, c'est dangereux, ça, si tu pètes tout là. Oh, zéro, j'ai envie de canner, je peux pas construire du coup. Et je passe en crise. Hein. Putain, j'ai pas de chance, ça me saoule. Ah, si, tu peux construire. Non, je peux pas construire. Ah, il a plein d'emplacements. Ça va, j'ai fait un et pas deux ou trois. Parce que s'il fait des dégâts et qu'il éliminait tous mes guerriers, ça me prend mes bâtiments. Mais c'est trop abusé. Non, mais là, t'es trop agressif aussi. Mais vas-y, tu le veux, le peuple. T'as écouté, je l'ai pris parce que tu veux pas le prendre. Non, j'aime pas. Voilà. C'est ah oui, c'est dur, ils sont beaucoup plus durs. Donc, voilà. La canopée est en crise. J'ai perdu des points. Très bien, je perds toutes mes cartes. C'est hyper dur. Ouais. C'est vraiment abusé. Ce peuple est hyper dur, moi, je trouve. C'est vraiment abusé. Je vais prendre le commandant. Je vais jouer le fight. Voilà. C'est quoi? C'est fight et déplacement. On a l'aggro, ouais, bien sûr. On a l'aggro. Foutez-vous de moi. Abusé. J'ai pas eu de chance. J'amène, je fais un tour de fou. J'amène 4 types. C'est abusé. Il y avait juste à faire 2 ou 3. Non, il fallait qu'elle fasse 1. En vrai, il y a quoi comme combinaison chiante? Double 0, 1 0. Après, peu importe quoi. 2 1, 2 2, 3 3, tout ça, ça marchait. Ça m'intéresse pas trop de voir ta merde sur, sur ce. Ah, tu peux déjà la voir en tournant la tête alors, c'est sûr que. C'est pas forcément peut-être le plus intéressant, ouais. Non, mais même. Ah, franchement, l'équilibre, moi, j'ai du mal à le voir quand même. Parce que non seulement tu es contraint par tes actions, si en plus tu te plantes, tu perds des points de victoire. Enfin, c'est rude, quoi. Au final, le conseiller se creuse. Et toi, t'as très peu de contrepartie, en fait. Moi, je peux pas construire. T'as pas de bois, peut-être? Ah, si, j'ai deux bois. Alors, j'en suis où de mes cours en bois? 3, 3, 2. Et pourquoi je peux pas? Parce que je dois pas avoir de zone. Où tu peux amener tes deux bois. Comment ça? Ben, je sais pas là. Parce que mon bois il est là. C'est relié. Pourquoi je peux pas construire ici? Parce que le seul bâtiment que tu peux construire, peut-être tu l'as déjà dans cette zone. C'est un recruteur, peut-être, non? C'est que un par zone? Non, je pourrais faire une scierie. Scierie? De toute façon, s'il te dit que tu peux pas construire, tu peux pas construire. Hein. C'est... Ah, il y a pas de. Le jeu, il est bien programmé. Ah oui, non. Pas dit le contraire. Moi, j'aurais bien aimé construire quelque chose. Aimer, c'est ce qu'il y a plus pour moi. Parce que là, j'ai marteau ici, je me tiens. Parce que bon. On est bien gentil, mais avec les corbeaux, tu peux pas t'amuser à dire je joue que des cartes bonus. Hein. Les cartes bonus, t'as pas que ça. Donc, t'es obligé de jouer des cartes pas que bonus. Hein. Sinon, tu fais rien par tour. Quoi. Combien il me reste de guerriers en réserve? Là-dedans. Donc, on va recruter, déplacer, combattre. Ah hein. Oui, je t'en plaisir. Ouais, je vois que ça. Hein. Oh, mais en plus, j'ai perdu toutes mes facultés de déplacement, plus rien. Donc, en plus, c'est ça, tu sais, c'est l'effet loose-loose parce que
t'as chié ton tour, t'es passé en crise, t'as moins d'action, et donc derrière le mec vient, te reroule dessus et tu peux pas répondre. Te faut pas te louper. T'as pas le droit à l'erreur. Elle analyse tout. Sinon, ici, je peux déjà te battre. Oh, attends, il y a des dés, hein. Tu peux faire double zéro aussi. Hein. À un moment donné, déjà te battre. Elle était déjà dans le timer, donc fais attention. Oui, bah écoute. Bah oui, mais j'ai pas la même pour régler la durée de la partie. Donc je te le dis ça pour toi, ça. Sinon, ça va sauter ton tour. Donc, Tu crois? Ah, bah oui, je pense que ça va te mettre sur ça. C'est pour ça que je te dis ça. Moi, je te mets la pression, c'est pour toi. Hein. Salut, Erwan. Je t'appelle Root. Mais ouais, je s'appelle Root. Allez, en combat E. Ah, toi, tu veux bien faire 3-0, voilà. Ah, c'est honteux. Non, mais vraiment, moi, les jeux de dés, c'est pas possible. Et on va... T'as subi aucune perte. C'est abusé. J'ai 3 personnes. Non, mais c'est... On va déplacer les gens. C'est honteux. Y a pas d'autre mot, quoi. On va passer par là. On va en prendre 2. Y a pas d'autre mot. Et on va en prendre... Là, et on est là. On a les 4. Bah oui, bien sûr. Bien sûr. Et on peut encore déplacer des gens. J'ai un bon souvenir de ma seule partie avec le jeu, avec l'Alliance de la Forêt, j'avais gagné. Non, mais là, je trouve que la canopée, elle est dure à jouer. Mmh. Elle est vraiment vachement dure à jouer. J'ai l'impression qu'elle ne subit pas le jeu, elle est tranquille, et moi, je galère comme d'hab, quoi. Abusé. Je ne peux pas utiliser mon action de déplacement, je viens de me déplacer. Pardon, je vais pas passer. Et ça pioche. Eh ben super, hein, c'est génial tout ça. Bon, ce qui est sûr, c'est qu'on va se mettre une action ici. On va se mettre une action ici. Alors. Mais t'es full carte bonus encore, quasiment? Mais ton chef t'apporte 2 jokers. Heureusement, sinon on ne pourrait rien faire. La faction est déjà suffisamment dure. Arrête. Sois gentil avec moi un petit peu quand même. À un moment donné. Je ne peux pas faire ça. C'est hyper dur. Ah bah oui, ça je me suis fait avoir. Qu'est-ce que je... Là, il y a aucun monde où j'y arrive là, en vrai. Peut-être on va redescendre. On va faire ça. Allez, on part avec ça. Je pourrais fabriquer cette carte. On va la faire, hein, parce que... On va fabriquer un objet. Ouais. Et un point de victoire. Hein. On va fabriquer une épée. C'est dommage que ça ne serve pas à plus que ça. C'est-à-dire que, bon, ça te fait perdre des points de victoire, mais... Bah, ça t'oriente les zones que tu le contrôle de zone que tu vas prendre. Et recruter du monde. Logiquement, tu vas forcément pas prendre plus de 2 zones de la même couleur dans un premier temps. Je pense pas qu'il y ait beaucoup de cartes qui te demandent, je sais pas si ça existe, de contrôler les 3 renards ou les 3 souris, les 3 lapins. Bah ouais. Bah, typiquement, tu contrôles 3 zones renards. À moins, je pense pas que ce soit entre guillemets utile. Bah, mais moi, il faut que je contrôle le plus de zones possible pour les perchoirs. Pour la création de cartes, on va dire. Ah non, mais c'est pas ça que je veux. Et pourquoi je peux pas me déplacer de où je veux? Attends, s'il te plaît. Mon déplacement, pourquoi je peux pas me déplacer de là? Parce que j'ai pas la majorité.
Donc eux, ils sont full perdus, quoi. Non, tu peux combattre. Ah, buster. Ça se fout, là. Bon, ok, c'est pas grave. On va les laisser là-bas. C'est là-bas, on va aller là-bas. On va se déplacer. On va en envoyer deux. J'aimerais bien que Root puisse être développé sur BG1. Oui. Ouais. On va combattre ici. Ah, espérez pas faire double zéro, s'il vous plaît. J'ai déjà eu des G2D assez pourris. Eh, mais c'est vraiment la croix et la bannière. Hein. Heureusement, j'ai le plus 1. Ah, t'as fait 0. La croix et la bannière, t'as fait 0, donc t'as pas eu contre-attaque. Bah, heureusement. Hein. Et je construis mon perchoir là-bas. C'est pas mieux, meilleur lancer que quand tu fais 0 pour l'adversaire. Ouais, on revient. On a pioché. À l'oubli. C'est compliqué sur les adaptations des jeux quand ils sont déjà sur une plateforme numérique. Hein. Bon, Terra, par exemple, nous, on était étonnés que ça arrive, mais c'est possible. Mais je pense que c'est parce que l'éditeur qui a développé Terra sur Steam n'est plus trop en activité. Alors que Direwolf, qui ont fait Root, ils viennent de faire Dune Imperium, etc., etc. Ils sont très, très actifs. Je pense qu'ils ont les droits et qu'à mon avis, tant qu'ils auront les droits, Direwolf, ça arrivera pas sur PG. Je me suis trompé. T'as fait 2 points de victoire, c'est bien quand même. Mais non, c'est la carte qui sont plus jolies que ceux des jeux BGA, les animes de Terra Firma sont plus classe que l'adaptation BGA. Oui, c'est plus joli. T'as une adaptation qui est vraiment faite et pensée en termes de jeux vidéo. Mais par contre, l'adaptation BGA Terra, elle est beaucoup plus pratique, quoi. Elle va plus vite, elle est pensée jeu, quoi. Elle est pas pensée visuelle. Je sais pas comment dire, mais. Après, là, Root, regardez, faut regarder. Donc, il y a deux trucs qui sont intéressants. Il y a les Humble Bundle. Là, Archon, il pourrait vous en parler un petit peu plus, mais il y a des packs, des fois, sur Steam qui valent vachement le coup. Vous pouvez récupérer plein de jeux pour pas trop, trop cher. Et sinon, il y a souvent des promos. Hein. Nous, Root, on les a achetés, ils étaient à 6€, quoi. Je crois que c'est ça, 6,70€. Ouais, 6,70€, il me semble, de mémoire. Donc, ça va. J'ai joué plusieurs fois contre un ami et une IA sur Terra, ça va assez vite. Ouais, quand tu connais le jeu, ça va assez vite. On a hésité à refaire un Terra aujourd'hui. Mais bon, on s'est dit qu'on allait faire un peu du Root. Je surveille. Ouais, il faut regarder. En fait, pour aller sur Steam, vous pouvez mettre des jeux en favori, pareil, en wishlist. Et ça vous avertit quand ils sont en promo, ou etc. Pas hésiter. Qu'est-ce que tu nous fais de beau? Un atelier de construction qui me fait gagner 3 points. 15, en zone allez, souris. 15 à 11. Je me fais rouler dessus. J'ai quand même bien envie de... Même si au niveau de la map... Oui, t'as appelé, ils servent à ça. Hein. Non, mais toi, c'est les perchoirs qui pourraient que j'enlève. 15 à 11. Let's go. Hein. 15 à 11. Dodge la manière. Allez, 3-3, 3-3, 2-2, 3-3, 3-3, 3-3, 1-2. Allez, j'en fais un quand même. J'en ai tué un. Bam. Ah, t'as 3 et 1, 4. Soit je recrute. Et après, je peux déplacer. Ce sont des unités. Parce que recruter, ça va quand même venir 3 unités. Je pense que je vais faire ça comme dernière action. Ouais. Et avec ma carte de cordonnier, je peux déplacer des gens. J'hésite. Tu construis en quelle zone? Un joker. Construis où je veux. Si je me mets vers en bas là, je vais pouvoir te ralentir. Ou alors je reste forte sur mes défenses. Solide sur tes appuis. Et valeur jolie. Allez, j'en mets deux là-haut. Un lapinou. Même si je pense que si tu dois l'attaquer du lapin, tu n'iras pas là-haut. Mais... Terminé! Ah, j'ai pas épuisé le timer. T'es pas loin, mais ça va.
Après, bon, alors qu'est-ce qu'on fait, où est-ce qu'on sur le Discord, si jamais des fois quand il y a des infos comme ça, on vous les partage, donc n'hésitez pas à suivre. C'est le chat, je pense, d'un blabla de Meeple du Discord. Double lapin. Je pense qu'on peut peut-être faire ça sans trop de soucis, je pense. Je vais voir ce qu'il fait le grand, non ? Je crois qu'il joue du ukulélé. Dehors ? Allez, on fabrique ça. On fabrique une sacoche. Et on fait un point de victoire. Désolé pour ce très court passage, mais à ce soir, certainement, ça marche. Pas de soucis. Pas de soucis, Lucky. Tiens, vous faites comme vous pouvez. Hein. Merci déjà d'être passé. Exactement. Déjà, un petit coucou, ça nous fait bien plaisir. Paraparam, pam, paraparapam. C'est la guerre, hein? Ah, c'est la guerre, hein. On va se déplacer. Depuis où tu veux, vers où tu veux. Depuis où je veux, vers où je veux. Mais on va se déplacer de là à de là. On va envoyer les trois. Et on va combattre ici. Voilà, on va combattre là. J'espère place plantée sur le combat. Putain. Mais j'ai vraiment. Heureusement, je fais une touche grâce à mon père. Grâce à mon perso, quoi. C'est relou, ça. Ah, mais attends, ça fait deux fois que je fais double zéro. T'as fait combien de fois double zéro? Tu veux qu'on ait un fort rapport? Ouais, ouais, non, je vois. Heureusement, hein, qu'il me sauve la mise là. Non, allez, 6 perchoirs, 4 points. Mais c'est équilibré, 16 à 15. Bien sûr, bien sûr. Yes. Hôpital de campagne. Ce qui est dommage, c'est la seule chose qui est dommage, c'est que le jeu est tellement asymétrique qu'on peut pas jouer n'importe quelle faction à deux. Je sais pas. Si, si, j'ai regardé, c'est pas du tout conseillé. Bon, après, de base, nous, on en a pas beaucoup des factions. Parce qu'on a la version de base du jeu. Mais ça, c'est les deux. Pas les extensions. Je défausse une carte pour ressusciter mon pauvre petit chat de l'hôpital de campagne. Déjà, tu peux les ressusciter, c'est quand même. Construire, mais je peux pas construire. Je n'ai pas de. Alors, je peux construire une fois. C'est vrai que je peux fabriquer une carte. Je sais pas combien c'est. Peut-être qu'à deux, c'est que 20 points. Hein. Ça me paraît loin, 30 points à deux joueurs. Parce que moi, ça voudrait dire qu'il faut que j'ai un milliard de perchoirs, quoi. Allez les gars, où est-ce qu'on va? On est parti, trois actions. Trois actions. Allez, ça vient me taper. Ça vient me taper. Combat. C'est pas très beau ce qui se passe ici. Mais là on fait un 2-2. Hein. Attention. Hein. Jette les dés, c'est parti pour un 2-2. Enfin, moi je fais des doubles 0. J'ai 5 alors que j'ai fait plus 1 mais qu'en attaque. Qu'en attaque, ouais. Pas en défense. J'ai tout intérêt de t'attaquer. Je crois bien. J'ai oublié de mettre ton écran. Ah, il y a encore eux, les squatteurs là-bas. Double 2 Non, non, non. Si 3-3. Mais non. Voilà, c'est ça qu'on veut voir. On a envoyé du monde au tapis. Perchoir est brûlé, oui. Ah oui, bien joué. Ah ouais, tu marques. Et parce que quand on récupère une pièce d'un adversaire... Donc c'est bien ça. On l'avait pas joué ça au festival, si, toi. Chaque fois que tu enlèves un jeton, on carton. On ne l'avait pas fait. Ah bah bien sûr que si. Bah, je pense qu'on l'avait mal fait. Moi, je pense que si, mais ok. Alors, soit je tue les gens là.
juste pour enlever la menace. Max la menace. Quoi je construis. En construction, il me reste. Ce qui est quand même dingo, c'est que franchement, tu fais la guerre. T'as encore entre 2 et 4 personnes aux endroits stratégiques, quoi. C'est ouf. Donc, soit je construis ici, ça fait 4 points de victoire en atelier. Mais bon, j'ai peur que ce soit détruit. Alors, ça route bien. Ouais, je crois qu'elle gagne. Hein. 16... Bon, y a 16 partout, mais les positions. Moi je dis que Lubli elle gagne, comme ça je peux râler. Sinon ça marche pas. Bon, je vais construire. Ah, elle est déjà dans le timer. Bientôt elle va passer son tour. Un atelier de fabrication. En espérant ne pas le perdre de suite. Pourquoi il s'en va de là-bas? 4 points? Ouais. Ouais, ça dégoûte. Ouais, je te... fais des Et le mec il dit ça, il a des perchoirs? 4 ah, oui. points aussi. Ah oui. Tu vois, t'espérais voir un plus gros chiffre. Hein, oui, je croyais que c'était à sa mode à 6. Avec 4 points, c'est au max, non? Moi, c'est jusqu'à 5 et toi aussi. Ah, c'est jusqu'à 5 au max. Jusqu'à 4. Ah, hein. Mince, j'ai pas validé. Et je peux déplacer des gens. Non? Ah, t'as fait des bêtises. Sur le problème, j'utilise mes cartes. Non. Déplacement, combat, problème, c'est. Construction, déplacement, combat. 16 à 20. Le truc, c'est que c'est dur. Hein. Il vaut mieux faire. Faire deux combats que deux constructions. Mais après, si je peux pas les faire, je vais mettre du recrutement où je veux. On va faire en vrai. Il te reste 5 chouettes. Je construis des objets. J'essaye de prendre de l'avantage là-dessus. Et oui. J'ai fait une arbalète. Le vagabond est content. J'avoue, aucune carte à fabriquer. On recrute quoi? On va recruter du monde où? On va recruter à partir de là. Il y a 3 recrutements à faire de toute façon. On va recruter à partir d'ici. Et là où là. Il y a des espions chez moi quand même. Oh, il y a 7. On va se déplacer à... Roulage. Et on va en déplacer 4. Hein. Non, c'est pas nécessaire. On va en déplacer 4. Hein. Ouais. On prie le dieu. 2. Moi, je pense m'occuper 2. Ouais, je fais que des doubles zéros. Ah, mais 2, t'as plus 1. Ah bah là, il faudrait que je fasse un 3 pour considérer ces options. Qu'est-ce que t'as? Alors toi, tu dois avoir une embuscade. Au début du combat, le défenseur peut jouer pour infliger immédiatement 2 coups. Annuler, si l'attaquant réussit, l'attaquant joue une carte embuscade correspondante. J'ai envie de canner. Comme par hasard, elle a une embuscade. Je savais pas. Donc je joue une embuscade, j'attends 2. Génial, combats. Génial. Et en plus, je vais faire 0, donc je sens le tour de con. Non, ça va, j'ai fait 3 touches quand même. 3 plus 1 du chef. Donc voilà, ça dégage, le bureau il dégage. Mmh. Ça dégage. Rasado, la clériade. On a gagné un point. On construit le perchoir. 6 perchoirs, 4 points, on est à 22. Incroyable. Ça s'accélère dans la clairière. Ça rime, t'as vu? Ouais. Donc là, si je défausse une carte, je peux... je vais le faire, tant pis. Elle était bien, cette carte. Mais... Allez. Je défausse une carte pour raviver mes 2. Je sais pas. Non, c'est un seul, hein. C'est un par carte, je crois. Non, c'est 2. C'est 1 pour 2, c'est une carte pour raviver tous ceux qui sont morts dans la clairière. Alors, ça dit quoi exactement? C'est triché. Je sais pas où il est, mon hôpital.
Et bien là, il est bien au donjon, normalement. Putain, qui se fout de la caritat. Alors, j'ai pas de carte à fabriquer. Donc on continue. Maintenant, on va jouer 3 actions. Et là, on va pas se laisser faire. Parce que ça suffit. Elle me fait peur. Recruter, ça me ferait venir 2 chats. You drive me crazy. Moi, j'ai pas pu faire une carte. Moi, j'ai pas pu construire ma carte épée. T'as une réponse à ça? Non. C'est quoi ta carte épée? Je la vois pas. Mais les gens la voient pas non plus. En plus. Ah. Moi, j'ai pas pu construire ma carte épée. Parce que tu ne contrôles pas deux symboles comme ça. Tu n'as pas deux clairières renards. Bah, si. 1, 2. Recommençons. Non, mais il faut que tu aies un atelier dans chaque. T'as, en haut, dans la renard, tu as un atelier. Tu as une forge. Aussi. Ah non? Non, t'as pas d'atelier là. Tu as une scierie et un recruteur. Ou... Non, t'as qu'une scierie d'ailleurs. Mince. Tu as la réponse à ta question. Ok. Donc on y va. Ah. Donc, mais je peux plus construire là. J'ai pas de zone pour construire. Donc il va falloir que je m'étende. Expand me. I'm famous. Donc, du coup, il nous reste quoi? La guerre et le recrutement et le déplacement. Parce qu'on ne peut plus construire, on a tout construit. J'ai combien de bois? J'ai 2 bois, donc... de toute façon... Allez, on va recruter, on va déplacer et on va attaquer. Ça, c'est pareil, pour une action, toi tu recrutes partout quoi. Ouais, mais partout là où il y a de la place. Ouais. Et donc partout où il y a de la place, j'ai que 2 trucs de recrutement. Tu peux pas tout faire en fait. Hein. Bah heureusement. Tu es déjà bien trop forte. Allez, déjà en timer la pauvre. Allez. Quelle carrière incroyablement disputée. Moi, je peux pas. Ah, c'est pas relié. Mais je vais me mettre là, alors. Mettre 2. On attaque. Allez, 3-3. C'est mieux que rien. Allez, ça perd un perchoir. Hein. Ça perchoir. Et elle s'est fait des points de victoire au-dessus. Et donc là, je peux encore déplacer des gens. Puisque c'est mon pouvoir. Le pouvoir. Je pense quand même que je vais en reprendre un de là pour aller là. Salut les soldats animaux. Salut Serval. Salut. Comment ça va? C'est la fin de la semaine. Fin du tour. And all the truth. Turn around. Je voulais passer la carte. Je crois que j'ai envie de faire ça quand même en vrai. C'est la pression. C'est quoi ta carte? Je ne te le dirai pas. À l'aurore, il dépose je sais pas quoi. Ils n'ont pas ton écran. Tu peux leur mettre ton écran. Plus de cartes à fabriquer, c'est la loose. On recrute ici. Ouais, c'est ça mon problème. Parce que tu recrutes en rouge, t'es bien avancé vers le milieu. Quoi. Et ce que tu veux. J'aime pas trop beaucoup ça. Si je perds mes bâtiments, c'est... On y va. On y va avec... Où est-ce qu'il va ? 4 bonhommes. 4, il y a 3... des choses. Oh non, mes bâtiments ! Même s'il faut pas y aller avec 6, là je tente le coup d'éclat. Quoi. Derrière, je perds autre chose, mais...
En même temps, ça va pas durer 30 ans cette histoire. Hein. Je ne dirai rien. J'en laisse un pour pas avoir le bonus. Allez, j'en déplace 5. Let's go. Ça fight. Jeu standard pour route, pas d'extension. Ouais, on a. On a... Embuscade. Oh, mais c'est pas. Mais j'ai pas de chance. Ouais, t'as pas de chance. Putain, t'en as deux coup sur coup, quoi. Ah, mais j'ai la bonne, surtout. J'ai la clairière souris. Oh, mais c'est abusé, quoi. Ça, c'est frustrant. Moins quoi. Deux. Bah ouais, mais attends. Ouais, putain. Mais t'as plusieurs. Bah, voilà, attends, mais... plus un, ça fait 4. Enfin, voilà. Tout perdu. Bien sûr. Choisissez la perte. Donc, soit je choisis de perdre le recrutement. Je vais choisir. On avait acheté le jeu en promo sur Steam et il n'y avait que le jeu de base, ouais. Et mais moi, ça me choquerait bien de prendre les extensions, mais je sais pas combien elles sont. Oh. Spooch, spooch, spooch. Je serais pas obligé de faire mon action de combat là, mais je vais la faire là quand même. En tout pété. Sans défense. Moi, je peux jeter. Oh, 0-1, génial. Bah. Heureusement que t'as fait. Non, mais il y a un bonus de y a pas de défense. Ah oui, c'est vrai. En tous les cas. Sans défense, on a. Plus le chef, plus le bonus. J'ai tout cassé. Ça va, c'était pas trop difficile. Ça va, je maîtrise ça. Là, on prend un point en plus, j'avais tout intérêt à le faire. Et là, je construis le perchoir, bien évidemment. Et on finit le tour. 6 perchoirs plus 4, 28. Bien sûr, moi j'ai. Tu diras, pas... oh, c'est vachement dur! À la fin de notre tour, vous devez conserver 4 pour n'en conserver que 5. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ah mince, j'en ai 7. Ça va, c'est bien. J'enlève ça. Bon, j'ai perdu ma souris. J'enlève ça. À toi. Donc là, je défausse une carte. Pour... Soldat Miquan versus Lubinyamazon. Tant pis, je vais déposer celle-là, je pense. J'ai quand même chopé deux embuscades, je suis quand même le seul à avoir fait deux doubles zéros dans la partie. Bon, autant te dire que. Après, ce qui est agréable malgré tout, donc c'est vrai que c'est... t'as la sensation que c'est plus dur, mais t'as quand même. On s'en sort, on fait des Pourquoi choses. Pourquoi je peux pas? Ah, parce que tu m'as encore cassé des fabrications. Je refais pour voir, je regarde juste. Non, je pense que j'ai gagné. J'annule et je refais. Bien sûr. Je défausse une autre carte pour voir si l'autre elle est jouable. Ah, Canopée, t'es obligé de jouer full joker, c'est pas évident. Hein, vous avez tiré une carte qui fabrique un objet indisponible. C'est ballot, Madame Chombier. Puisqu'on vous dit que c'est pas possible. Ah oui, non, j'ai fait marche arrière, mais j'ai cassé le jeu. C'est le jeu. Bon, ce soir, on est sur Bitoku, si jamais. Il y en a, si ça vous dit de regarder. Bon, je pense que ça va durer un petit peu, hein, mais... je m'en rappelle plus combien de temps on avait mis la dernière fois. Non mais là ça va pas du tout. Voilà, t'as perdu. Ah non mais j'ai cassé le jeu. Bon, défausser l'hôpital. Je vais défausser ça parce que je suis sûre de pas. Salut Ténéret, comment ça va? Coucou. Un petit moment qu'on t'avait pas vu, le Ténéret. Ah mais c'est ça, la carte. Comment il va le cycliste? Est-ce qu'il fait beau par chez toi? Chez nous il fait très beau. Je refais. Je suis désolée, il y a une mécanique que j'essaie de comprendre, je peux vous l'expliquer maintenant. En fait, et tu vois ton écran donc. Mais non, mais on l'a pas vu non plus. Quand on fabrique des cartes dans la phase de fabrication des cartes, on fabrique des objets. Donc là, par exemple, ma carte c'est botte et ça me donne. Je fabrique mais la tu botte. L'as déjà fabriqué la botte. Je fabrique la botte et ça me donne un point de victoire. Ces objets-là sont issus d'une réserve commune, donc il n'y a pas qu'une botte, il y en a plusieurs symboles botte. Par contre, on les a déjà toutes fabriquées. Donc là, pour le coup, cette carte-là n'est plus fabricable pendant la partie. Donc du coup, moi, le chat, en début de partie, je peux défausser une de mes cartes pour faire apparaître les guerriers qui sont morts autour d'avant. Donc là, autant que je défausse le coureur des bois qui donne bot, parce que je ne peux pas le construire sur la phase construction de cartes. Mais pourquoi t'hésitais du coup? Mais parce que j'avais pas compris cette mécanique-là de pourquoi je peux pas fabriquer mon coureur des bois. Parce que c'est quand on a joué en physique, c'est par exemple, c'est une des règles qu'on a un peu loupé. Mais non, je pense, parce que moi, quand je pense même que tu ne peux fabriquer qu'un seul jeton, enfin, genre les bottes, tu peux en fabriquer qu'une seule. Même si l'objet est lié 10 fois, toi, tu peux en fabriquer qu'un seul, je crois, de chaque, non? Mmh, ah non, t'as deux pièces d'or. Non, non, il y a l'été hier, je sais plus quel. C'est le vraiment vagabond, juste une réserve. Le vagabond, par exemple, je crois qu'il doit récolter 3 ou 4 parce que ton t'es déjà un timer, on te fait parler. J'ai pas de carte.
C'est vendredi, demain il fait beau, ça part en pique-nique ce week-end. Non, je crois que ce week-end ça va être tranquille, je crois qu'on a rien. On anticipe un peu le fait qu'il va y avoir une... enfin, il va y avoir quasiment un mois de festival qui va arriver bientôt, à partir du 20 avril jusqu'au mi-mai, il y a... c'est full festival, donc ça va être une grosse période. Donc là, ce week-end, ça va être rangement, jeu, jardinage, je pense, peut-être un peu. Tranquille, quoi. En mode timer, il me stresse. Bah, et c'est pour toi, moi, c'est moi, c'est un stress. Si tu loupes ton tour, tu vas râler comme, comme je sais pas quoi. Je regarderai les paramètres, je peux laisser peut-être plus de temps, mais... en combat, ici. J'aimerais bien que ça se passe bien. Non, là, c'est moi. Là, c'est un 3-3 encore qui part. Ah, ah, et tu pouvais pas avoir que de la chance. Là, c'est... On va repartir au combat. Ah non. Eh si, est-ce que t'as deux quoi faire de combat? Et non. Si tu pourrais... Non, tu peux pas. Elle ne peut pas. Si, si, je le peux pas. Si elle peut refaire un combat. Sauf que là, elle... pendant la partie, je peux déjà défausser une carte pour faire revenir mon personnage dans l'hôpital de Paris. Moi, j'ai zéro. Il te reste vraiment pas beaucoup de temps. Je vais quand même essayer ici. Maintenant qu'on y est, allez. Deux touches. Oh, mais c'est pas croyable. Donc, je t'enlève pas ton perchoir, donc ça me donne rien. Moi, j'ai juste perdu deux actions, quoi. C'est terrible. Et là, t'as ton déplacement de l'aurore. Ouais. Ah, l'IA joue pour moi, d'accord. Très bien. Donc, comme j'ai pas joué, l'IA, elle a pris un des mémos, elle l'a foutu là-bas en souris. Très bien. L'IA a donc pris en charge votre tour, effectué votre projet dans la dernière partie, vous serez retiré de la partie. Ok, d'accord, très bien. Sympa. Ah, je pour tout le truc là. Bah, si la prochaine tour, je finis pas mon tour, je suis kick du jeu. J'essaierai de voir les autres. J'ai pas pensé autant, mais j'ai pas ce réflexe là, mais c'est essentiel quand tu joues en ligne contre des gens. Mais c'est pas des gens là, c'est toi. Mais oui, mais lui il le sait pas. Lui il voit une partie en ligne, il sait pas qu'on est la même pièce. Moi aussi. Bah non. Il a demandé un CP. Ah, c'est mon tour. Voilà. D'un chat de poche. 2 ici, est-ce qu'on... Tu connais route du coup, Ténérette, j'ai pas subi. Après, je fais quel nom. Un ici, ça fait 3, hein. C'est pas des masses non plus. Hein. Le grand, il a toujours ses entraînements qui durent 20 ans. 3. On va faire ça, je pense. Hein. Tu es ici. Re ici. 28-21, je reviendrai jamais. Hein. Je pense pas, ouais. Je pense que tu reviendras pas. Si c'est bien 30, on va se déplacer. On va y aller là-bas. J'espère que t'es pas d'embuscade encore. Hein. On en voit 5. Ah, je pioche à chaque tour, hein, donc bon. Bah oui, mais moi j'en ai eu 0 des embuscades. T'en as eu 0 ou t'as utilisé les cartes j'en bonus ai eu... Ah, ou j'ai pas c'est fait gaffe. C'est des bonus. J'ai peut-être pas fait gaffe. Ah, remarque, non, c'est pas des bonus, c'est des couleurs. Tu as raison, j'ai peut-être pas fait attention. Les embuscades, elles s'appliquent sur un terrain, hein, donc faut que t'aies la chance d'avoir l'embuscade de lapin si t'es mal à la peine. Qui est le vagabond? On peut pas. Il n'y en a pas. À deux, il n'y a pas de vagabond. J'ai fait une partie récemment en live de route, on était 4, c'était violent. Ouais, le jeu, il est pas... Ouais, je vois ça, on y va. On combat. Pour moi, il n'y avait pas de... 0-0, allez, 0-0. 2-1, ça fait 3. C'est pété ce pouvoir aussi. Ah, lui, il est bien. Le hibou, là, il est... Il envoie du lourd. Là, juste, je subis. Et derrière, on se fait le bâtiment. Sans défense. A 4. A 4, on déboise de la planche. Ça fait 3-0 de base, hein, de soi, donc. 5. Plus 1. Je construis le perchoir là. C'est nul. 7 perchoirs, 5 points. 7 points, 34, mais apparemment... C'est 40.
C'est 40? Je crois hein, que dans la partie c'était 40. Bah 40, au prochain tour, tu déboises une zone, tu fais un perchoir et t'as gagné. Hein. Je vois pas trop le souci, moi. Je vais enlever ça. À vous les studios. Ah non, ah non, je crois que j'ai gagné, c'est 30, hein, voilà. Hein. On y est. Hein. Ça va être coup de râler, hein. Victoire de la canopée 34-21. Ouais. Moi. C'est tellement dur, je trouve, comme jeu. Est-ce qu'on peut, en jeu, régler le... les annulations? Je crois pas que j'ai trop de paramètres, en vrai. Ah, mais on les a pas, toi, sur les autres factions, nous. Tu veux refaire une partie, on met un bot, si tu veux. Si tu veux, à moins que quelqu'un veuille jouer avec nous. Sauf si quelqu'un l'a sur Steam, si vous voulez rajouter un joueur. Après, c'est 2h20, je sais pas combien de temps ça met. On a mis combien de temps, là? On a mis 1h20, 1h30. Hein, on a pas... Non, on n'a pas commencé de suite, donc... Pas loin, non? Bon, mais là, on maîtrise, là. Partie en ligne, c'est mon jeu créé. Alors, il y a qui? Regarde, crée une partie. C'est ce que je peux faire, donc je ferme le dernier. Il y a le vagabond. Le troisième, je mets une IA. Et moi, par exemple, je peux. Tu vois, on a que Marquise, Dynasty, Alliance de la Forêt et Vagabond. J'attends une promo pour me le prendre sur Steam. Donc, soit moi je prends un truc fixe, je peux reprendre les, si tu veux la Dynasty et je te laisse prendre autre chose. Moi, je peux tenter le Vagabond. Tu prends le Vagabond? Ouais. Alors, j'ai bien envie de tester l'Alliance de la Forêt alors. Je connais pas du tout le gameplay, c'est peut-être un peu risqué. Ah merde, j'ai lancé le tuto. Ah oui, non, c'est pas le tuto. Ouvert, il y a... après, il est parti. Tac, tac, tac. Ah non. Dans le tuto, quoi. Retour. Une partie, je fais de la merde. Putain, ça a lancé un truc, j'ai envie de canner. Non! Je suis avec qui? Oh là là, laissez-moi partir. Abandonné. Oui. Alors, partie 2. Salut Caroline. Et salut. Partie en ligne. Allez, créer. Fermé. IA. Alliance de la Forêt. Ici, mot de passe. Voilà. Difficulté de l'IA moyenne. Hein. Ah, chrono du tour. Direct, relax. Relax. Comment dire, c'est faire une partie sur plusieurs jours. Les joueurs ont 3 jours pour terminer un tour. Bon. Relax, take it easy. J'espère que l'IA, elle va pas mettre 3 jours. Ça serait un comble. Créer une partie. Là, normalement, tu dois la voir. Et tu vas pouvoir nous rejoindre. D'un navigateur, du coup. Ici, relax, un take it easy. Moi je fais vagabond. Ça marche, forêt, vagabond et autre chose. Ah bah il y aura le chat ou la canopée hein, dans le troisième à mon avis. Ok. Il n'y avait pas facile en IA? Si, il y avait facile. On va se faire rouler dessus. Moi je connais pas en plus l'Alliance de la Forêt, je connais pas. C'est, apparemment c'est ceux qui mettent des tracts. On l'a pas joué. Bah oui, j'ai pas envie de les jouer. On l'a pas bien joué. C'est les rebelles de la forêt. Et donc moi, le vagabond, il va essayer de remplir des quêtes. J'ai jamais joué non plus. Hein. Guérilla, si vous êtes le défenseur lors d'un combat, vous utilisez le jet le plus élevé. Indignation, quand un ennemi rencontre ou détruit de la sympathie, il doit ajouter une carte correspondant à la clairière à vos sympathisants. J'ai des sympathisants. Ok. Ok. Le vagabond choisit son personnage. Alors j'ai le rôdeur. L'IA va vous mettre la feuille. Moi je pense. C'est Marquise de Chat en plus. Vraiment, il faudrait que je voie comment ça marche, j'ai rien compris là. Donc moi j'ai le choix entre rôdeur. Je pourrais défausser une torche pour réparer 3 objets et cela met fin à la phase de jour. Donc réparer les objets, quand on les a utilisés, on les tourne. Et réparer les objets, c'est-à-dire qu'on peut les remettre actifs et du coup les réutiliser pour remplir des quêtes. Donc ça peut être pas mal. Larcin, je peux prendre une carte au hasard à un joueur dans la clairière, mais il faut qu'il y ait quelqu'un dans la clairière, donc bon après c'est le vagabond. Et travailleur, prenez une carte de la défense de couleur de votre clairière, vous pouvez toujours prendre une carte oiseau. Je vais prendre rôdeur.
Quand un ennemi rencontre ou détruit de la sympathie, il doit ajouter une carte correspondant à la carrière de vos, à vos sympathisants. En fait, plus j'ajoute des gens et des trucs et objets fabriqués. Et donc, moi, je dois choisir de là où je pars. Vu que je suis vagabond, j'ai pas d'endroit particulier. L'Alliance utilise des officiers pour commander des opérations militaires, déplacements, recrutement, organisation, combat. Piocher plus de cartes. Sympathisants. L'Alliance utilise ses sympathisants pour répandre la sympathie et déclencher des révoltes. Sans base, l'Alliance ne peut pas posséder plus de 5 sympathisants. Réserve, j'en ai 10. Mais base. Faut que je vois comment on monte. Pour l'instant, je suis à 0 en sympathie. Je suis pas très sympathique comme mec. Voilà. Dépenser 2 sympathisants. Correspondant à une carrière sympathisante. Retirer en tout. Retirez-en toutes les pièces. Déposez-y une base de guerriers. Et des guerriers correspondant à hauteur du nombre total de clairières sympathisantes correspondantes. Gagnez un officier. C'est compliqué ça. Répandez de la CP, de la sympathie. Payez le prix d'un sympathisant pour gagner de la sympathie. Gagnez des points de victoire à hauteur du montant actuel affiché sur la feuille de sympathie. Donc ma feuille, c'est là où je peux avoir jusqu'à. Moi je vais pouvoir 4. Pareil. Fouiller des repères de, je crois, de mémoire. Donc je pense que je vais me mettre dans une dans un bois adjacent à des ruines. Ici. On va voir quand ça va être mon tour, ça va être complexe. Hein. Mince, du coup si j'étais sur mon écran, ils ont pas vu. Donc moi je suis le vagabond il est dans les bois. Et le vagabond il peut à son tour explorer des ruines pour récupérer des objets. En sachant que quand on explore des ruines, cela donne pour les autres l'emplacement disponible pour poser des bâtiments pour les autres joueurs. Bon, donc je vais peut-être pas me mettre là du coup. Peut-être me mettre ici. Parce que là-bas, ça fera 3 bâtiments au phare. Se cache dans les bois. Allez, hop. Promenons-nous dans les bois pendant que Lubli n'y est pas. C'est à moi ? L'Alliance de la Foire envisage une révolte. Aucune carrière n'est prête à recevoir une révolte. Appuyez sur continuer. Tu peux mettre phase de répandage de la sympathie. Comment je répands la sympathie? Tu peux mettre ton écran. Comment je répands la sympathie? Répandez la sympathie. Payez le prix d'un sympathisant pour poser de la sympathie et gagner des points de victoire à hauteur du montant actuel affiché sur la feuille de sympathie. Sauf que j'ai pas de sympathisant, donc ça sert à rien que je fasse ça. Ah oui, coup. D'accord, ok. J'avais pas vu le coup. Ah voilà, j'ai trouvé mes quêtes. J'ai trouvé où se ranger les quêtes. Joker. Voilà, c'est Joker et c'est pas ça. Ok. Choisissez une action. Mobilisation. Ajoute une carte de votre main à votre pile de sympathisants. Ok, eh bien écoute, on va faire ça. On va ajouter celle-là. Hop, j'ai mobilisé. Choisissez une carte à ajouter à vos sympathisants. Take it easy. Vous devez construire une base pour détenir plus de 5 sympathisants. Là j'ai quoi? J'ai deux renards, c'est ça? Puis sur continuer pour terminer le tour. Ah ouais, j'ai pas beaucoup d'options moi au début. Hein. Donc moi, salut Big Mich. Choisir un endroit où me faufiler. Donc là, je pense que j'allais aller là. Donc ça, c'est j'aimerais bien aller. Ils ont pas mon écran. J'aimerais bien aller visiter cette ruine là. On va voir si on peut le faire. Donc. Je suis le vagabond. Je n'ai pas d'officier. Comment je fais un officier? Donc là, j'utilise entraînement. Une action pour explorer et récupérer l'objet de cette ruine. Et donc, comme je récupère un token sur le plateau, quand on est en physique, quand on récupère un token, on gagne un point de victoire. Ici, j'ai mes quêtes qui sont cachées. Donc je peux réaliser des quêtes. J'ai des objets. Comment ça, on voit pas? C'est noir. Qu'est-ce qui s'est passé? Parce que je suis pas sur la bonne scène. Ah. Pardon. Et du personne coup... ne râle. C'est écran noir, peut-être, tu vois bien.
Ici, là, j'ai mes quêtes qui sont cachées. Et donc, j'ai mes quêtes. Et je peux choisir, de, avec mes objets que j'ai dans mon sac, que je vois là en bas, de réaliser mes quêtes. Sauf que ben, j'ai cramé ma torche en explorant. Parce que j'ai oublié que explorer une ruine, ça avait cramé ma torche. Donc, ok. Ici, je peux me déplacer, éliminer quelqu'un. J'ai pas de base. Moi, ça a l'air compliqué, les liens de la forêt à déclencher, là. Ça a l'air compliqué, hein. Et comment je joue mes cartes, du coup, en tant que... Ah, appel d'Arzikan, hein. Ouais. Ouais. On a été gaillard de lancer des factions qu'on connaissait pas. Finalement, bon, c'est facile, la canopée. Je vais me déplacer. Je sais pas combien j'ai d'actions, en fait. Ben, autant que tu as les objets à utiliser, je crois, hein, c'est ça. Et t'as récupéré un certain nombre par tour. Je vais être obligé de redéplacer les caméras parce que du coup, on est. Hop, ils voyaient pas ton magnifique sac. Ce truc, c'est que moi, mon intérêt du vagabond, c'est d'être en relation sympa avec les autres. Ah, mais pas moi, je suis pas sympa. Moi, je suis pas un mec sympa. Donc là, je suis bloqué parce que là, j'ai une botte, une arbalète, une épée. Ah, mais c'est deux factions, les deux qu'on a pris, à mon avis, qui montent en puissance au fur et à mesure. Ouais. Moi, j'ai rien pu faire, hein. J'ai pas pu me déplacer, j'ai pas posé un bonhomme, j'ai rien fait. Hein. Mm-hmm. Coucou Galdrog, comment ça va? Coucou. Si je me déplace, est-ce que je peux aller là-haut, qu'il y a personne là-haut, du coup? On est sur la version numérique de route, sur Steam. Ouais, je passe, va. Je vais pas bloquer 2 heures. La marquise de chat, qu'est-ce qu'elle nous fait? Poum, poum. Elle construit une carte, un baluchon, elle a déjà un point de victoire. Aïe, aïe. Un recruteur, 2 points de victoire. Elle rigole 0. Hein. Non, t'as mis une IA forte, à mon avis. Regroupement. Non, elle est moyenne, j'ai pas mis forte, j'ai mis moyenne. Ouais, mais moyen, c'est déjà fort. Et 2 points de victoire, ok, c'est à mon tour. Ouais. Aucune clairière n'est prête à recevoir une révolte. Bon, bah déjà, j'ai pas le choix, donc très bien, j'ai pas très bien compris. Phase de répandage de la sympathie. Ça, il va falloir que je fasse. À mon avis, il faut que je répande la sympathie, à mon avis. Pas comment, mais. Ah, mais c'est ça, c'est ces symboles-là que ça me coûte, que j'ai pas fait tout à l'heure. Je crois que j'ai compris, ça y est. On va commencer par là. Hop, je dépense un bonhomme et je répands la sympathie. Je sais pas qu'est-ce que ça fait, mais je vais répandre la sympathie, ça m'a l'air incroyable. Ici, voilà, je répands la sympathie. Et là aussi, je vais répandre un peu de sympathie. Je sais pas qu'est-ce que t'en penses, mais... Ça va choisir une action. Je peux fabriquer une des cartes de ma main. L'Alliance fabrique des cartes grâce à la sympathie. Je suis sympathique. Sinon, je peux ajouter une carte de ma main à ma pile des sympathisants. Je suis très sympathique et humble. Je vais fabriquer ça. Voilà, je vais fabriquer une arbalète. Pam, je fais 1 point de victoire. Et est-ce qu'on mobilise? Oui, on va mobiliser ça. Oh, des sympathisants, bah, sinon j'ai pas assez de sympathisants. Je vais continuer pour terminer le tour. Disons, ça a l'air compliqué. Je pioche pas beaucoup. Comment je fais des bâtiments? Je fais pas de bâtiments? Comment je pioche, moi? Je vais me faufiler là-bas pour voir qu'est-ce que ça donne. Je peux toujours explorer parce que ça m'a refresh ma. La semaine s'est bien passée, Galdrog? Ou alors, je peux valider ma quête. Ouais, ça a l'air incroyable. Valide ta quête. Donc, je vais repousser un ours dans une clairière souris avec une arbalète ou un truc. Sinon, je peux utiliser la torche qui me reste pour fouiller ces ruines et récupérer des objets formidables. Je vais tenter ça. Parce que si je récupère un truc dans les ruines, c'est 1 point de victoire, ça on le sait. Un objet, hop, un bout de carton. Ah, des bottes. 1 point de victoire. 1 point de victoire. T'as récupéré des bottes. Ouais. Et par contre, on me dit que pour fabriquer des cartes, tous vos marteaux, donc il faudrait que j'ai des marteaux, je pense, dans mon inventaire, correspondent à la couleur de votre clairière. Donc par exemple, si j'avais des marteaux, là, je pourrais construire des cartes souris. Mais je n'avais pas. J'ai quand même une quête valide, du coup.
revendiquer cette quête. Donc, escorte dans une clairière souris. Bah, on va le faire. Très bien, il fait beau et j'ai préparé les vacances de la ludothèque. Oh. Nice. T'as un planning chargé. T'as prévu pas mal d'activités. Tour de la marquise du chat. Ah. Elle joue vite au moins la marquise. Le vagabond, il est fort quand même. Si jamais, je crois que la ludothèque n'est pas référencée dans les associations et lieux ludiques des cartes de Subverti. Il me semble. Je ne peux répandre aucune clairière. Je ne peux pas faire de sympathie. C'est vraiment hyper dur. J'ai l'impression de rien pouvoir faire. C'est pas facile. Je peux juste une action. Je peux juste. Je peux rien faire. Il n'y a pas de révolte, je peux pas sympathiser, je pioche pas, je peux faire aucune action. Maintenant, on a dit que t'étais pas sympa, donc. Non, mais c'est bizarre comme gameplay, hein. Bon, ben, voilà, tour à vide. Le truc, c'est que tu utilises tes cartes pour faire des sympathisants, et derrière, tu t'as pas d'un... Ça a l'air chaud, là. On va voir comment ça monte. Moi, c'est plus j'aurai d'objets, plus ça va aller, mais... Le thème, c'est Charlie et la chocolaterie. Je regarderai sur Subverti. Merci. Ouais. Avec plaisir. Donc, ben moi, comme d'hab, on se déplace. Je remets ton écran. Et ouais. On se déplace, on fouille les ruines. J'ai rien fait. Je fais zéro action à mon tour. En fait, moi, au début de mon tour, alors, je sais pas si. À l'aurore, j'ai trois objets qui se rafraîchissent. Donc, j'ai intérêt à utiliser le plus d'objets possible de mon sac. Parce qu'au début du jour, j'ai des objets qui sont refresh. Donc, trois de base. Et deux par cafetière que j'aurais récupéré. Donc, et je me déplace gratuitement. Donc pour le moment, le jeu refresh mes objets tout seul. Puisque j'en utilise moins 3 ou moins, donc il ne me demande pas de choisir. Et je me déplace. Et ensuite, je fais des actions avec les objets que j'ai. Et je valide des quêtes avec les objets que j'ai. Et ensuite, je peux me déplacer aussi dans un bois. Et du coup, quand je me déplace dans un bois, tous mes objets vont devenir disponibles. Bon, je sais pas. Il faut que j'arrive à amener... En fait, il faut que j'arrive à mettre des jetons de sympathie dans une clairière. Qu'après, je puisse défausser deux cartes, je crois, de la clairière sympathisante pour pouvoir tout défoncer et faire une base. Mais tant que j'aurais pas fait ça, à mon avis... Tu vois, j'ai un marteau. Donc là, je pourrais par exemple me dire que vu que j'ai un marteau, si je me déplace en souris avec mes bottes, je vais pouvoir réaliser ma carte souris qui fait un point de victoire. Ou si je me déplace en lapin, parce que j'ai une carte qui fait ça aussi. Ce matin, un lapin. Je vais me déplacer un chasseur. En souris. Ça me coûte une botte. La lumière. Ah oui. Bof. Bof. Mais si, c'est mieux. Bon. Bah ouais, mais c'est mieux, on te voit mieux. Et du coup, normalement, je peux fabriquer une carte. Donc j'utilise mon marteau qui fabrique une carte et c'est ma carte souris. L'avantage, c'est que la carte souris, du coup, elle va me donner aussi le sac. Mais tu as tellement de points. Et grâce au sac, 5 points. Je peux avoir du coup plus d'objets réparés au début du tour. Donc plus ça va, plus t'es fort en fait. Elle se venge. Du coup, ici. Je m'en fous, j'ai gagné la première partie. C'est celle qui comptait vraiment. ici, si je me déplace encore, je vais pouvoir sûrement. Mais non, parce que j'ai plus de marteau. Mais tu fais un milliard de trucs. Il est trop bien ton perso. J'essaye. Mais il me faudrait double run. Par contre, je trouve des torches. Il y a une histoire de marché, mais je sais pas comment je peux récupérer les objets de la réserve. Il est chouette le jeu quand même. Il y a ça qui est une petite, un petit côté sympathique quand même. Il y a une courbe d'apprentissage. Hein. Ouais, par contre, il faut y revenir quelques fois. Ouais. Clairement. Et donc j'ai des attaques, mais en fait, moi, comme je disais tout à l'heure, mon but c'est pas d'attaquer les gens parce que plus je vais être gentil avec eux, plus je vais être cohabite avec eux, plus j'aurai des points de victoire normalement. Sauf si à un moment donné tu passes au style, tu gagnes des points chaque fois que tu les lattes aussi. Hein. Pour finir, ça peut être pas mal aussi. Ouais, mais je vais finir à la fin. La marquise du chat, donc, elle y va, elle recrute des guerriers, elle construit. Elle est pas très agressive en début de jeu, faut s'inspirer, hein, je pense. Hein. Elle fait du surmenage, donc elle surproduit du bois. 5-5-3, tout va bien, c'est à mon tour. Aucune clairière n'est prête à recevoir une révolte. Bon, ben, j'ai passé. Aucune clairière n'est prête à recevoir de la sympathie. Obligé de passer. Là, soit je fabrique une carte de ma main, mais du coup, au tour d'après, j'aurai pas de carte pour faire le reste. Révolte, il faut dépenser deux sympathisants correspondant à une clairière sympathisante.
Et pour avoir un sympathisant, il faut défausser des cartes. Donc il faut défausser des cartes, puis redéfausser des cartes. Je sais pas s'il faut pas que j'attende encore en vrai. Il faut peut-être attendre qu'il y ait du monde et après faire tes actions. Je sais pas. On n'a pas joué ce. Ouais, c'est très dur. Ce peuple-là. Je fabrique ça. Je pourrais fabriquer cette carte, je pense, de ma main. Je crois pas que j'ai des jetons, moi. J'ai des bonhommes après. Ouais, j'ai des guerriers et officiers. Hein. Et ton action enclume en bas, c'est quoi? Ben, c'est fabriquer une carte de ma main. Mais si je fabrique une carte de ma main, au tour d'après, j'ai pas de carte pour les dépenser pour faire la révolte, tu vois. C'est bizarre. Personne n'a joué Alliance de la Forêt. Si, il y en a un qui a dit qu'il avait joué Alliance de la Forêt tout à l'heure. Et qu'il avait gagné en plus. Alliance peut piocher plus en construisant des bases. Et ouais, mais pour construire une base, c'est au tout début. Il faut que je puisse défausser des cartes. Et puis, je sais pas, hein, qu'est-ce qu'ils appellent carrière sympathisante. C'est-à-dire que là où j'ai de la sympathie, non? Ouais, c'est ça. Vraiment, il faut que je passe, tant pis. Ah, non, si t'as jamais les bonnes cartes, c'est un peu le drame, non? Alors, je peux aller là. Cache qu'une carte par tour. Hein. Ah, mais là, elle est là, peint aussi, donc là, c'est pas mal, ça. C'est moi, mais c'était au moins il y a 2 ans que j'avais joué. D'accord, ok. Je vais me semblait bien. Je vais aller là. Je vais continuer mon exploration. Au début, je vais grinder comme ça. Je vais faire les ruines. Ça va être ma technique. Hop, ruine. Forcément, il y a un point de victoire. En l'état, c'est compliqué parce que là, je passe 2 tours où j'ai rien fait. C'est pas très agréable. Je peux construire la carte coureur des bois. Qui construit une botte de plus. Ah oui, 3 sympathisants, donc 1, 2, 3, ok, je suis à ce niveau-là quand même, sur ma feuille de sympathie. Je peux valider une quête. Mais normalement, il y a un truc sur là où je mets des trucs, là où je mets des jetons, ça doit vous faire chier, je crois. Ah. L'Alliance utilise la sympathie pour fabriquer des cartes et déclencher des révoltes. Si un joueur se déplace vers une clairière sympathique ou élimine la sympathie, cela cause de l'indignation. Ça fait quoi l'indignation? Quelle indignité! Quand un ennemi rencontre ou détruit de la sympathie, il doit ajouter une carte correspondant à la clairière à vos sympathisants. Et s'il peut pas le faire? Ok, je vais tenter des trucs après. Toi, t'as une arbalète, donc on me dit. Une arbalète. Épuiser un objet, donc n'importe lequel. Donner une carte correspondant à la clairière à un autre joueur situé dans cette dernière. De clairière, j'imagine. Et prenez un objet appartenant à ce joueur si possible. Alors, par exemple, si je voudrais. Mais toi, t'es où en fait? Je suis nulle part, moi. Non, si, là où il y a des jetons verts, j'imagine. Ok. Bon, je vais valider ma quête. Je crois pas que tu es obligé d'être sur la même case que moi, non? Une quête comme ça, je vais. Je vais obtenir un point de victoire. Je vais essayer de. Chasser les grind, ça grind. 8 quoi, 8, 5, 3. Je peux épuiser un objet. Je vais tenter. Parce que l'autre il donne des sacs. Il y a le sac là-bas. Je peux aller le chercher aussi. Le froid. Je peux demander de l'aide. Choisissez un joueur. Ben, la marquise apparemment, il n'y a que elle. Je vais lui donner une carte que je ne peux pas utiliser. Je pense que comme je suis tout seul, je ne peux pas valider moi les cartes qui ont 2 symboles. Je vais lui donner. Aucune idée. Celui-ci. Quand même, on va pas aider la marquise, c'est quand même l'IA. Et donc, je peux lui voler le sac, une arbalète ou les bottes. Alors, qu'est-ce que j'aurais besoin? Ah, mince. Tu peux réduire la petite flèche, non? Sur le côté, ça. Ah. Arbalète, j'ai déjà. Bon, je pense que je vais prendre le sac, je l'aurai. Continuez. Ouais, qu'on puisse récupérer le dune aussi, ce serait pas mal de se faire des duels de dune. Et donc du coup je suis un peu plus ami, attention. Votre sacoche déborde. Ouais, pas trop d'objets. J'ai 4 bottes. À la fin de votre tour, vous serez devrait sacrifier des objets. Ah, parce que le sac il va pas là. Ouais. Comment on met le sac là dans le jeton sac? Comment on met le sac dans le jeton sac? Chaque sacoche augmente la contenance de votre sacoche de 2 emplacements. Ouais. Je sais pas, faut l'utiliser, je ne sais pas. Ça, j'ai déjà du mal avec mon alliance de la forêt qui placarde des affiches à travers tous les sous-bois.
Pas content, pas content. Pas content, pas content. C'est l'alliance de la forêt. Pas content, pas content. La forêt. Bonjour, j'arrive. Oui, mais quand on joue à Dune, on met du sable partout. Pardon, de l'épice partout, c'est vrai. Comment ça va, Norbus ? On va se déplacer. Norbus Magico. Je vais essayer de... Parce qu'elle, un objet... Voilà, le tour à l'oubli dure 27 minutes. Le tour à Armicon dure 3 secondes. Passez, passez, passez. Admissible. Bonjour. Bonjour. C'est pour moi. C'est pour vous donner un peu d'aide. Je sais pas si tu peux me voir avec moi, j'en sais rien. Moi, j'ai fabriqué qu'une arbalète, je crois. Ok. Je te donne une embuscade parce que on joue contre l'IA. Et je peux épuiser un objet de chez moi, je vais épuiser une boîte, parce que j'en ai plein des boîtes. Et je te prends une arbalète. Merci monsieur. Tu peux pas la mettre, t'as pas de place, non? Arigato. Ah, et ça... Ah oui. Mais c'est parce que je ne trouve pas de torche. Comment ça va, Norbus, du coup? Arrête. Votre sacoche déborde, choisissez des objets à retirer. Je vais retirer une boîte. Les objets J'ai Oath et j'ai toujours pas joué au jeu. Ça vous arrive d'avoir des jeux auxquels vous n'avez joué dans vos Calax? Pas trop, non. Non. Il y a très peu de jeux parce que bon, on n'en achète pas tant que ça. Ouais. Et quand on achète, c'est qu'on a envie d'y jouer. Bon, moi, je suis tellement impatient de jouer au jeu. Si, il y en a deux qu'on n'a pas joué. Ouais, mais... Une colonne de feu qu'on nous a donné. Et le trône de fer, le JCE. Mais c'est arrivé il n'y a pas longtemps. Donc, oui. Ça va se faire. Ah, c'est planifié, quoi. Non, je rigole, il y a 3 mois, même pas. Qu'est-ce qu'elle nous fait? 17-3. Aucune clairière n'est prête à recevoir une révolte. C'est compliqué quand même. Bon, ben d'accord, très bien. Aucune clairière n'est prête à recevoir de la sympathie. Ah, je pense qu'il y a un truc que t'as. Moi, je m'en sors. Dépenser 2 sympathisants correspondant à une clairière sympathisante. Mais ouais, mais je l'ai pas. Pourquoi c'est 2? Retirez-en toutes les pièces. Posez-y une base. Mais t'as pas des bases. N'avait pas les bases. Non, mais pour avoir une base, il faut avoir déjà des sympathisants. Bah, je pense qu'il faut que tu foutes sur la gueule au chat, hein, je pense que... Je vais faire ça. Mobilisation. Mais je peux pas combattre. Hein. Toutes mes actions sont grisées. Je peux pas combattre, je peux pas faire ça parce qu'il me faut... il me faut des guerriers. Je n'ai pas de guerriers tant que je n'ai pas de base. Donc, Et tu ne peux pas construire parce que pourtant l'icône n'est pas. C'est ça, c'est fabriquer des cartes. C'est fabriquer des bottes et des machines. C'est pour toi. C'est pas, ça va pas fabriquer des bâtiments. Aucune idée. Eh oui, c'est pas ça que je te le dis. Je vais me débrouiller. Je vais rajouter ça en mobilisation. Domination disponible. Lors de la phase jour, vous pouvez piocher une carte domination dans la réserve en défaussant une carte de la couleur correspondante. Je vais faire ça, je vais mobiliser ça et on va voir si ça m'apporte plus d'action au tour d'après. Hein. Et est-ce que je fabrique ça? Sinon, maintenant, je vais aller là. Let's go. Je crois que je suis resté sur ton écran, donc ils n'ont rien vu. Très bien. Tu joues un loup et pour le moment, tu l'as dans l'os. Moi, je joue le... Ouais, c'est l'Alliance de la Forêt. C'est les rebelles de la forêt, quoi. Ils sont pas contents, donc ils sont pas avec les chats, ils sont pas avec les oiseaux. Ah, donc là, je choisis des objets à rafraîchir. Genre, ils mettent des tracts dans la forêt. Mais le truc, c'est qu'en fait, pour l'instant, j'ai tracté 3. En fait, le problème, c'est ça, c'est que j'ai balancé 3 cartes pour les forêts, là, les clairières, et que vous, ça vous fait rien. Normalement, quand vous venez ici, quand vous vous déplacez vers une clairière sympathique, ça doit causer de l'indignation. Et l'indignation, je ne l'ai pas. Non, vous êtes censé me donner des sympathisants, quoi. Ah ouais. Est-ce qu'on est généreux? Non, mais non, t'as pas le choix, en fait. Il avait expliqué au festival que c'était une faction casse-couille. Le jeu sur Steam comprend les extensions? Ouais. Oui, il y a pas mal d'extensions. On pourra regarder après la boutique, etc. La marquise, mais... elle n'a qu'un sac. Si je veux lui voler le sac. C'est juste que nous on les a pas parce qu'on a acheté juste le jeu de base quand il était en promo il y a pas longtemps. Et comme je savais pas si on aimerait le jeu ou pas, j'ai pas pris le pack avec les extensions. Peut-être que je me ferais plaisir, mais le problème c'est que je sais pas si moi je lance une partie avec les extensions, si quelqu'un peut rejoindre ou pas. C'est toujours pareil, ça tu maîtrises pas trop. Déjà que là on a été obligé d'acheter 2 fois le jeu.
pour jouer correctement. Alors, je vais aller dans une clairière, je regardais un peu, je vais aller dans une clairière où il y a la marquise et où il y a toi, comme ça. Il n'y a plus de ruines, hein, on est d'accord, j'ai fouillé toutes les ruines, c'est fini ça. Strat ruine, fini. Donc je vais là. Tu vois, normalement, t'es... Alors, c'est quoi qui est considéré comme une clairière sympathisante? Ça, j'ai pas le point. Il faut que tu aies deux sympathisants dedans. Révolte. Deux sympathisants, c'est pour la révolte. Moi, je peux pas. J'ai bien ça. Ah, il faut que j'aille dans une lapin. Une quête en lapin. En jeu Steam, il y a Armello, un jeu de plateau en pledge. Vous en pensez quoi? Je crois que j'ai jamais joué à Armello. On va refaire. Mais ce qui est rigolo, c'est ça, c'est que c'est un jeu vidéo qui s'est inspiré des codes du jeu de société et que là, en ce moment, ils font un participatif pour faire le jeu de société issu du jeu vidéo qui est lui-même issu du monde du jeu de société. Donc, c'est assez rigolo. Non, je vais là-haut. C'est vrai que j'avais pas compris mes quêtes. Ah. Pour faire mes quêtes, j'ai besoin d'être dans les zones aussi à la souris, par exemple. Donc, je vais faire ma quête. Fais ta quête. J'hésite, j'ai carte domination là, je les avais pas trop bien compris la dernière fois. Ça enlève ton scoring et il faut que tu réalises la carte pour gagner la partie. En fait, ton score n'entre plus en compte. Par contre, il faut réaliser la condition. Non mais c'est. En tant que loup, tu peux pas les faire. C'est genre dominer les trois clairières souris ou les trois clairières lapin. Ça ne me sert à rien. Donc je vais piocher des cartes, allez. Tu vas... Ah ben je suis en lapin, mais tu vois, je peux pas faire les quêtes où il y a plusieurs, c'est ça que je comprends pas. Ah, tu te plains pas, hein. Ça tu comprends pas avec 10 points, de victoire quand même. Je vais épuiser un objet. Je vais épuiser quoi? J'aimerais bien récupérer le sac de la marquise du chat. Donc je vais épuiser un objet. Je vais voir la marquise. Tout va très bien, madame la marquise. Choisissez une carte en échange de votre aide. Ah, tu lui donnes une carte domination? Ouais. Ah oui, d'accord. Donc t'as pas peur qu'on se fasse rouler dessus, quoi. Donc je récupère le sac. Le sac qui me permet d'agrandir mon inventaire. Mais pourquoi ça fait ça? J'ai pas tout compris. Pourquoi ça fait quoi? Ben, ça prend un sac que j'ai mis moi dans mon inventaire de 7 pour le donner à la marquise. Je me suis trompé de sens de l'action. Mais c'est quand tu utilises des sacoches non, pour pouvoir augmenter ton inventaire? Bon, allez, je passe. Et là, j'ai un truc aussi. Une histoire de domination. Pour avoir fait de très nombreuses parties d'Armello, je vous le conseille vivement. Système asymétrique, ménage deck building et jet de dés. Ah, ok. Je regarderai. Ah, t'as revendiqué une carte domination. Ah non. Ouais. C'est pas celle-ci. La marquise du chat. Allez, part. Elle a un bois, deux bois. Elle construit un atelier. Une scierie. Oh là. Elle prend le cordonnier. Et là, en plus, comment on fait? Parce qu'il n'y a aucun de nous deux qui peut péter ses bâtiments. On va juste se faire rouler dessus. Moi, je peux. Mais elle va pas être très... Ah, je peux faire des révoltes, ça y est. Défoncer. Pays de Galles, Je peux. Là, j'ai envie de faire ça là-haut. Hein. Je pâtier, allier... Tu veux qu'on lui mette un peu dessus? Je sais pas ce que ça fait. Ça fait quoi la révolte? Bon, je fais ça. Révolte! On a l'agro! Sire! Et ils ont mon écran, ils n'ont pas le tien. Oh merde! Moi, je suis en train de regarder mes objets. J'ai réussi. Donc là-haut, il y avait une clairière. J'ai réussi. Le vagabond choisit trois objets endommagés. Ah merde, je savais pas que ça allait faire mais ça. Mais bien sûr, t'as dit, oh, t'es là, je vais attaquer là. Pour voir ce que ça fait, maintenant je sais ce que ça fait. Endommager, ça veut dire quoi, endommager les objets? Je sais pas, mais t'en as trop de toute façon, des objets. Bah non, j'en ai pas trop, non. J'ai un guerrier de l'Alliance, ça y est, j'ai du monde. J'ai une base. Enfin.
Donc je dois dépenser le coût de là. Ok, je viens de comprendre. Ah, je te crois. Suffit. Révolte. Tu m'as tout pété. C'est bon ? Bah non, c'est pas bon, mais... Révolte ! Phase de répandage de la sympathie. Ça y est, je peux en plus répandre encore plus la sympathie autour de moi. Je vais répandre la sympathie par là, je crois. Ouais, t'en as besoin, parce que là, le karma... Le karma, il est pas bon ? Non. Attends, je vais aller là-haut, alors si je vais au milieu, tout le monde va me péter la gueule, non ? Oh, je vais au milieu, quand même. Allez, bonjour ! Je répands la sympathie ! Alors, je peux train un officier, là, maintenant. Utilisez des cartes de votre main de la même couleur qu'une de vos bases pour entraîner les officiers. Je vais faire ça, parce que comme ça, je vais entraîner un guerrier, je vais le passer en officier, je vais avoir des actions la nuit. Est-ce que c'est bien de faire ça ? J'en sais rien. Je suis pas très très contente. Combien c'est de cartes pour faire un officier ? Je sais pas. En départ. C'est bon ? Entraînement. Ok, bon, j'ai entraîné. J'ai deux officiers. Je peux mobiliser. Ah ouais, je vais mobiliser ça. Et ah oui, j'ai pas le choix, je suis obligé de faire ça. Bon, ok. Et là, c'est la nuit. Et oui, parce que les rebelles, ils agissent la nuit. Mais excellent. Là, je peux me déplacer. Placer un guerrier sur une base. J'ai deux actions parce que j'ai deux officiers. Hop. Tu laisses mon vagabond tranquille. Hop. Non, mais je recrute pour l'instant. Non. Je m'organise. Après, on va mettre sur la gueule au chat. Ok. Ok, Google. Non, dis pas ça. Pardon. Bon, c'est pas évident, en fait, c'est ça, il te faut arriver à mettre de la sympathie, c'est des petits jetons, et après, il te faut dépenser deux cartes de la couleur de là où tu as mis ton jeton pour pouvoir déclencher une révolte. Tu sors tout le monde quand tu fais une révolte, à la place, tu mets une base, et tu fais venir un officier et un guerrier. Et du coup, après, la nuit, tu as autant d'actions que le nombre d'officiers que tu as. Donc, en fait, ouais, plus tu as de base, plus tu as de... T'as d'action, t'as d'officier, quoi. On va voir ce qu'on arrive à faire. Mais à mon avis... Si je vais en lapin, ça marche. J'ai quand même pas de bol parce que j'ai pas eu une seule théière. Et il y en a pas de dispo, personne les a fabriqués, donc... Ah, c'est complexe parce que moi j'ai besoin de mes cartes pour mon truc, donc j'ai pas trop l'occasion de me dire « Tiens, je vais fabriquer des objets, en fait. » Genre même j'en ai fait un au début, j'aurais pas dû, en fait. Je vais en lapin. Si je vais en lapin, je pense que je peux valider une pierre. Ah non, viens pas en lapin. Oui, bah écoute... Mais j'ai prévu de tout péter là-bas. Bah tu te calmes. Mais non, j'ai pas le choix, c'est la seule clairière où je vais pouvoir faire quelque chose. À part des objets. Ah, oh, 12, 11, 4. Plus, le score indique clairement que vous êtes des méchants. Vous êtes des vils oppresseurs de cette clairière. Ça ne me va pas. Je suis concentré. Oui, je vois bien, je vois ça. Je suis dégoûté. Dégoûté. On était tous les deux dégoûtés. J'aimerais me déplacer dans la forêt, mais la forêt, c'est-à-dire que je passe tout mon tour à ça. Je passe la forêt. Et ils n'ont pas ton écran. Personne ne le dit. Les gens, le vendredi, ils font la sieste. Allez, je vais aider le chat, tant pis, hein. Je vais aider le chat. Mais t'as pas d'objet à m'échanger, donc... Mais va aider le chat. Je suis obligée d'aider le chat. Va aider le chat, ton plaisir. Tiens, le chat. Pas une carte domination. Ouais. Choisis un objet à épuiser. Je vais épuiser... La boîte. Non.
Il n'y a pas un truc pour les réparer, tes objets? Il faut que, au prochain tour, il faut que j'aille dans un bois et que je passe mon tour, en fait, et ça recharge, ça répare, ça... Il y en a qui bossent en même temps, surtout. Ah ouais. Mais nous aussi, on bosse. C'est juste pas le même, le même bossage. Plus un. Bon, d'accord. Et là, normalement, je suis très sympa avec lui, donc si j'ai bien compris. Hein, toujours pas. J'ai pas une relation de fou, quoi. Non. Moi, ça marche. Non, non, le loup n'est pas très très ami avec le chat. Le chat est pas très sympa. Hein. Le scorpion ne s'acoquine pas avec le renard. Le cafard. Ah, et le cafard, c'est ça, c'est le cafard. Ça ne se sépare. Bon, elle a plus d'objets. Elle est nulle. Et après, il faut quoi faire tes quêtes pour arriver à 30 points, là. Bah ouais. Je sais pas si vous attendez la lance de la forêt. Mais parce qu'il faut des points. Il faut des points, mais il me faut des cafetières. J'en ai pas. Bon, bref, allez, on passe. Là, je repioche. Tour du chat. Et voilà, elle a joué la marque, la domination, non? Pourquoi? Ah non, c'est ton écran, toi. Moi, je sais pas. Bah non, ça va être. Pour 3, Delgato. 14. Non, mais là. Elle recrute. Elle active la domination. Voilà. Si elle, à la fin de la partie, du prochain tour, elle a encore la domination sur les 3 lapins, elle gagne la partie. Donc, il faut aller fighter la paix. Moi, je vais jamais aller là-bas. J'y suis pas. J'ai pas de déplacement, j'ai pas de... T'as pas quoi? C'est pas possible pour moi. Je n'ai pas les ressources nécessaires pour faire ça. Non, mais j'ai pas envie d'être en guerre avec elle. Le lapin, c'est trop loin, tu vois. Une boîte? Je peux te prêter une boîte. En révolte, hein. Ah non, 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 elle pas mal. Ah non, je l'ai dit. Je mais l'ai... c'est elle qu'il faut attaquer. C'est la seule chose où je peux faire quelque chose. Je gagne rien en plus à faire ça. Oh, t'es pénible. J'ai envie de gagner. Vous le voulez vagabond, pas en vacances? Je choisis 3 objets à endommager. Voilà, c'est bien. T'as donné la victoire à l'IA. Qui c'est qui a donné carte domination? Pas moi. Tu rigoles ou quoi? C'est les seuls que je pouvais donner. Aucune clairière prête à recevoir de la sympathie. Ah bah non, là, vu tes actions, je aucune sympathie. Une action. Zéro sympathie. Comment on fait là? How do we do? On va faire ça, hein, je crois. Et je gagne pas de points. Et genre, en action de nuit, 3. 3, je peux faire quoi? Il faudrait 2 déplacements pour arriver là-bas. Et tu le fous sur la gueule. Ah ouais. Allez. 2 déplacements et 1 attaque. Mais c'est pas smart, ça fait 3. Ah, dis donc. Bah, sinon, il gagne, hein, de toute façon. Recrutement, attaque. Ah, bah oui. Donc, c'est à moi de tout faire. Hein. Donc, c'est moi qui ai 4 points, qui suis le moins avancé, c'est à moi de tout faire. Hein. Juste parce que c'est toi qui as donné la carte qui va pas, quoi. Non, non. Ah, bah si. Elles sont toutes sorties, hein. Il y en a 3 qui sont sorties. Sois honnête. Toi qui as donné la carte domination, c'est toi qui les as données. Ah, oui. Tu as même donné 2. Donc. Bah, après, il suffit juste que tu te déplaces. T'as pas besoin de le taper, non? Oui, bah quitte à y aller, on va aller taper un peu, non? Là, il y a statu quo. Retirer un guerrier d'une clairière hostile pour pouvoir y éteindre de la sympathie. Et là, tu prends le dessus, hein, si... Là, ça retire un guerrier de ma truc à moi. Et à la place, je pourrais mettre un jeton de sympathie là-bas. Je vais taper, je vais tenter de taper là-bas. 2-1. Ah, moi j'ai le résultat direct. 2-2. Ah, j'ai plus les animations. Ouais, parce que t'as cuté. Choisissez les objets à rafraîchir. Ben, je sais pas trop, hein. Ils sont tous pétés, donc. Ah, on se fout de ma gueule. Ah, j'ai fait un joli tour là, quand même, en vrai. Hein. Ouais, tu. Ok. Ah, je rafraîchis les objets, mais je peux pas m'en servir. Je suis contente. Donc là, j'ai une option, c'est d'aller dans un bois, si j'ai bien compris. Là, c'est clair et renard. L'effet sympathie, c'est pas fait pour Armiquan. Il faudrait une faction avec l'effet ouin-ouin. C'est vrai. C'est vrai que s'il y avait la faction les pleureurs des sous-bois, les seuls pleureurs, tiens. On va faire une extension perso. Non, on va refaire. Chaque fois que je perds quelque chose, je gagne un truc. Chaque fois que je perds un combat, je gagne un point de victoire. Chaque fois que je rate un jet de dés, je gagne un point de victoire.
C'est l'effet ouin ouin. Les saouls pleureurs, oui. Non, ça, on boit pas ici. Non. Pas trop. Pas soir, je vais dans le bois et je me repose. Tant pis, là, tu as mis le statu quo, donc sa domination ne marche pas. T'es d'accord? Bah oui, mais c'est grâce à moi, quoi. C'est... Ah oui, t'as qu'à arrêter de me péter tous mes équipements. Ouais. Là, tous mes équipements sont pétés, donc... Cet objet a pu... Il peut être... il doit être réparé. Il me semble que si je fais ça et que je passe mon tour... Là, moi, je connais pas le gameplay vagabond, donc je saurais pas te dire. Tout ce que je sais, c'est que la marquise de chat est à 14 points, toi 12 et moi à 5, donc bon. On regarde mes actions. Ça, c'est gagné au crépuscule. Hein. Repos vespéral. Si vous êtes dans un bois, réparez tous les objets. C'est ça que je veux faire. Le problème, c'est que le déplacement dans le bois, je peux pas le faire. Je suis obligée de le faire de l'aurore au crépuscule. Donc, je suis obligée de passer mes actions au jour. Faire ça, oublie. Alors, on fait ça. On va tenter une action crépuscule. On est dans le bois et on est parti. On passe en crépuscule. Normalement, tous nos objets sont réparés. Ah, ça a l'air d'être ça. Et on tire une carte. L'âme des cartes, Yu-Gi-Oh! Exodia le maudit. Donc là, je vais défausser des cartes, mais je vais défausser des dominations qui me servent à rien. Voilà. Je rappelle que les dominations défaussées peuvent être activées, mais bon. Oui. On en a activé une. Et c'est parti. La marquise du chat. Ça produit du bois, ça fabrique un attaque, vous n'êtes pas affecté par les cartes embuscades. Au début du jour, vous pouvez initier un combat. Oh là là. C'est comment c'est mon écran qui est actif. Compliqué. Surmenage. Oui, donc ça, on le faisait pas beaucoup. Ça produit du bois, hein. Ça construit 20 points. On se fait rouler dessus par l'IA. Je peux révolter. Je peux révolter. J'ai envie de révolter là où il y a un bâtiment. Parce que la révolte là où il y a un bâtiment, ça enlève son bâtiment, je crois. Je vais essayer. Je révolte ici. En agro ! Sire, sire, révolte ! Moi, ça me va bien, tu vois. Ouais, un bâtiment. Let's go. J'ai que 6 points avec tout ce que j'ai fait, toutes ces révoltes. Putain, mais c'est vraiment un ouf quand même. Plus de. Voilà. Est-ce que je peux répandre la sympathie? Non, je peux pas répandre la sympathie. Est-ce que vous pouvez fabriquer des cartes, messieurs, dames, l'IA? Parce que, bon... Je peux essayer une action. Je peux train, faire plus d'actions. Ouais... Je peux mobiliser. Comment je m'en sors, moi? Il y a une clairière souris qui est libre. Hein. Hop. Oh, c'est quoi ça? Votre réserve partagée de guerriers d'officiers est vide. Vous pouvez faire de la place en utilisant l'action organisée pour obtenir de la sympathie en sacrifiant un guerrier. Ok, merci. Merci du tuto. Là, je pourrais fabriquer une carte sinon aussi, ou alors je mobilise. Mobilise ça et ça. Mobiliser, ça a l'air pas mal. Hein. Et j'ai plus besoin de révolte. Je pense que je vais fabriquer. Ah, je peux fabriquer que ça. Non, je veux pas faire ça alors. On va comme ça. Choisissez une action. Donc là, j'ai 5 actions. Ah, c'est incroyable ce qui se passe. Là, je peux retirer un guerrier d'une carrière hostile. Pour répandre la, pour y étendre la sympathie. Si je fais ça, je retire un guerrier ici, et paf, je mets de la sympathie et je gagne 2 points. Ok. La sympathie à coup de... À coup de gens, ouais, ouais, ouais. Mais c'est pas grave. Ensuite, on va... j'ai 4 actions. 4 actions, il faut au moins que je me déplace et que je me batte. Il y a des... Mais c'est incroyable comme gameplay en fait. Mais tu sais que tu peux presque jouer la domination, hein, je pense, sur les renards. Ah. Je vais recruter du coup. Ah mais j'ai plus de... j'ai que un bonhomme quoi.
Donc je vais recruter de ce côté-là. Voilà. On a trois bonhommes. Et là, on va se déplacer. On y va là. On y va, let's go. On envoie les trois. Et là, je vais faire deux actions de combat. Hein. Je vais tout raser là-bas. Bah, peut-être qu'avec une, ça va réussir. Hein. Non. Je rase tout ici. Je prends toujours le résultat le plus haut, moi. 3-3. Donc, ils sont morts. Oh là là, j'ai pas de chance. Ah. Tous les gens sont morts. Mais quelle bande de nazes. Bah, c'est une action. Ouais, mais c'est pas grave. Moi, j'ai récupéré des guerriers. Ouais, donc, je fais repop. Un mec ici. Bon, ok, ok, ok. Voilà, j'ai pioché plein de cartes. C'est ouf. Ça, c'est épuisé, donc on s'en sert pas. À toi. À moi. Bon, je suis qu'à 8 points quand même. C'est quand même la croix et la bannière par rapport à tout ce qu'il faut faire. Hein. J'ai encore choisi les factions les plus compliquées à jouer, quoi. Si j'ai bien compris. Oh, mais si je vais là, je vais me prendre une attaque après. Il faudra que je parte. Alors moi, j'ai déjà mes 3 bases, donc je peux plus faire de révolte. Ça aussi, tu le sais maintenant. Okay. Je peux faire de révolte. Enfin, j'ai trop d'officiers, je pense. Donc, le loup. J'ai trop de glandus dans mon armée. Il est ici. Du coup, je pense qu'on peut fabriquer cette carte de café chaud. Café chaud. Je construis la théière directement. Ouais, 2 points. Chaque théière en votre position vous permet de rafraîchir 2 objets de plus pendant l'aurore. Et ça, c'est chouette. C'est la première théière que j'ai. Continuer. Ok, merci pour l'aide. J'ai rien de mieux parce que la seule carte que j'ai avec un seul symbole, c'est le décodeur. Pour regarder la moyenne des autres, mais je ne connais pas assez le jeu. Pour regarder Canal Plus. Décodeur. Hein. Je peux faire tour de garde parce que je suis dans la clairière avec ma lampe. Ça fait 3 points. Mais let's go. C'est dur à vivre hein, quand même parce que moi je vois je suis à 8, vous êtes à 20. Enfin, quand tu prends au moins 2 ou 3 fois ton score, c'est. Mmh. Et en plus, c'est dur parce que t'es obligé d'essayer de défoncer les deux quoi. Toi, tu te faufiles quoi. Finalement, t'as pas de base, t'as rien à gérer, t'as juste ton perso quoi à gérer. Ouais. C'est quand même vraiment. Mais là, si vous. En fait, si c'est fort, hein, moi je suis d'accord. Si vous construisez pas de cartes, typiquement, il me faudrait des cartes au moins une théière et des cartes avec des pièces. Ouais. Si vous les faites pas, je peux pas. En fait, ça limite vachement mes progrès. Ah, ok. Bah, ben, je les ferai pas. Simplement. On va pas les faire, hein. On va pas t'avantager, non, ça va ou quoi? Je pourrais être gentil. Ça serait mal de connaître. La marquise. Ah ouais. En lui donnant une carte pour récupérer un objet. Mais elle n'a pas d'objet. Ça m'intéresse pas. Vraiment, vous m'intéressez pas, les gens. Vous m'intéressez pas, les gens. Je pourrais aller à m'amener ailleurs. Mais ça me sert à quoi de me déplacer? Vous n'avez pas d'objet. Vous n'êtes pas intéressant. Vous n'avez pas les bases. Alors, faut que je vous attaque. Je suis quand même fasciné de la conception du truc et de voir qu'il y a encore des extensions qui sont sorties. C'est balèze, hein, quand même. Hein. T'as un même jeu, t'as vraiment des factions ultra différentes. Allez, je passe. Et qui arrivent à marcher ensemble. Hein. Ah, elle récupère ces trucs, là. Ça, c'est fou. Ouais, pour une carte, tu récupères trois trucs, c'est incroyablement fort. Elle construit. Ah oui. La théière, non, elle va dans ton sens, c'est honteux. C'est bien, c'est 2 bien. Points, moi je suis à 8, ça dégoûte. 29. 29, moi j'ai 27, ouais. C'est elle à 29. Ok. Il se déplace, et elle va prendre le contrôle de cette clairière. 9 points en un tour. Et donc elle contrôle 3 clairières. Oh, ouais, ça c'est ton problème, j'ai envie de dire, moi j'en peux plus. Ah oui. Mais moi je fais tout. Eh ben vas-y, je fais tout. J'irai au prochain tour si j'y arrive. Aucune clairière n'est prête à recevoir une révolte, donc on continue. Let's go. Aucune clairière n'est prête à recevoir de la sympathie, mon dieu que c'est dur. Je n'ai pas assez de trucs. Choisissez une action.
Il faut pas train. Hein. Je pense qu'il faut que je mobilise des gens. Là, il faut que là, il faut mobiliser des gens. Est-ce qu'il y a des choses, cela construire des objets, je vais pas construire des objets, c'est trop avantageux. Je vais construire ça. Voilà, on va ça. Ouais, je vais quand même faire un joker, hein, tant pis. On peut encore en faire. Hein. Mobilisez-vous. Allez-vous à l'alchimie? Oui. Oui. Bien sûr. Let's go. Sûrement les 3 jours. Hein. Je mobilise tout le monde. Toutes mes cartes mobilisées. Ok. À l'assaut. J'ai 5 actions. J'ai que un bonhomme ici. C'est l'éclair souris qu'elle contrôle et qu'il faut plus qu'elle contrôle. Ben ouais. Donc je peux recruter à combien? Je peux recruter 2 personnes déjà, donc je vais le faire. Je vais recruter 2 personnes ici. Aïe, aïe, je sens que je vais prendre sur la gueule encore. Une deuxième personne ici. Voilà, et on y retourne. On va se déplacer de là, on retourne à la clairière là-bas. Joue les mauvais plans. On y va. Mais c'est pas croyable. Et on fout sur la gueule. Alors je pourrais retirer un bonhomme. Je pourrais retirer un bonhomme pour juste mettre de la sympathie. Ça, ça me ferait des points. Mais je suis obligé de lui péter la gueule juste parce que tu lui as donné la domination. Hein. C'est bon si on pouvait ne pas faire. Oh mais j'en peux plus. Ah ça fait dégoupiller le jeu. Ah c'est bien. Ah, ça fait 2 tours que je perds mes 3 bonhommes. Ouais. C'est génial le jeu. Voilà. Trop bien. Envie de canner. Ah c'est abusé. Tu vas à l'alchimie, Ténéret ? C'est abusé. Je vais péter ce bâtiment. Ah, j'ai vraiment pas de chance quoi. Franchement. Ça fait trop loin en vélo, hein. Ça fait un peu loin en vélo. Hein. Alors. Je suis obligé de me déplacer. C'est abusé, je fais un point, elle en a fait 9 en un tour, j'en fais qu'un. C'est trop dur à jouer, là. Franchement. L'alliance, elle est hyper dure. Hein. C'est ouf. Ah, j'étais content d'avoir fait mes bases. Je pense qu'il y a vraiment une séquence à avoir avec les verts là. Il faut, pas se planter. Hein. J'aurais peut-être dû faire le tuto de l'alliance. Là, je suis obligé. Je vais venir là. Et je vais tuer les bâtiments. Sinon, on a perdu. Là, tu m'as dit que c'était souris, donc. Bah oui. Mais là, elle contrôle encore 3 souris vu que les bâtiments sont encore là. Oui, sûrement, oui. Mais tu peux, à moins que tu puisses faire 2 actions d'attaque. Je sais même pas si tu peux attaquer les bâtiments, toi. Essayer d'éliminer des pièces. Et l'arbalète, c'est éliminer une pièce. Donc, l'arbalète, c'est de base. J'aurais bien récupéré sa théière avant. Mais avant l'alchimie, il y a Montpellier. Le 20 avril, on est à Montpellier. Le 27, c'est le nôtre, à Bessens. Et le 4, on est à l'alchimie. Après, il y a une semaine de pause. Et la semaine d'après, je crois que c'est Fronton. Si j'ai bien capté le truc. Arrête de lui filer des cartes. Hein. Mais pourquoi ça me donne pas sa théière? Parce qu'elle l'a cramée. Ben, elle l'a fabriquée, elle l'a chez elle. Pourquoi je la récupère pas? Parce que t'as plus de place. Si, t'as de la place. Tu l'as en bas. Et c'est, ça s'est pas mis dans ton sac, non? Je vois la théière en bas dans ton inventaire. Non, c'est celle que j'avais déjà. Ah ben, c'est parce que tu l'as déjà. T'en as besoin, d'une deuxième. Ben oui. Bon, allez, c'est pas grave. Poum. Voilà, ça dégage. Bravo, tu fais des points en plus. Poum. Fou, elle a perdu la domination. Eh ben oui, c'est le but.
Et moi, le truc, c'est qu'il faudrait que j'arrive à même planter là où elle est, tu vois. Là, je peux plus rien faire. Montpellier, ça fait encore plus loin. Ouais. Elle voulait récupérer une théière, c'est pas de bol. Ah oui, ça bosse beaucoup. Trois bois. Visite un ami. Ah ben ça y est, elle a fait les 30 points. Elle l'a fait avec une carte. Hein. Allez, salut. Salut Blinia. Salut Blinia. Elle s'est fait rouler par la marquise du chat. Par les... Il a mis trop dur. Elle est en moyenne. Mais c'est trop dur, il doit y avoir facile. Bon, c'est cool comme jeu quand même. Oui. C'est vraiment fun. Hein. Mais j'ai pas compris pourquoi j'avais pas récupéré la théière. Je fais 9 points. Par contre, l'alliance est très très dure à jouer. Par contre, c'est la seule configuration. T'es obligé de jouer avec les IA pour pouvoir tester les autres factions, quoi. Moi, ou avec les copains. Hop, je remets mon écran. Du coup, je vais regarder l'histoire des... Donc, on a une boutique. Extension du monde souterrain. Ah, mais c'est la nouvelle, non? Le monde souterrain, c'est pas ça qui vient d'arriver? Maraude, non. C'est pas ça qu'on a vu. Voilà, vous avez monde souterrain pour 9,75€. Sinon... automate, 4 factions automatisées diaboliques qui offrent une alternative aux IA, 5€. Le peuple des rivières, donc il y a deux nouvelles factions. La compagnie des rivières, ah ben c'est celle que tu avais jouée, ouais. Et le culte du lézard. 3 nouveaux vagabonds, le scélérat, le malandrin et l'arbitre. Ça coûte 8€. Exilés partisans et vagabonds, donc 3 nouveaux vagabonds encore. Avec un nouveau deck pour des bois encore plus sauvages, contient le pack Vagabond et le deck Exilé et Partisan. Et l'extension du monde souterrain. Ça fait quand même, si tu prends tout, ça fait un peu cher, mais... Bon, après, les factions automatisées, c'est pas forcément obligatoire. Finalement, peut-être le peuple des rivières, ça peut être sympa si tu joues à plus que 4. Mais sinon, c'est pas forcément... Et par contre, le monde souterrain, il y a combien? Il y a des nouvelles maps, ça peut être pas mal. On est sur le dessous de route et ça contient deux nouvelles factions, le duché souterrain et la conspiration des corvidés, les corbeaux et les taupes, ainsi que les cartes montagnardes et lacustre. Donc ça, c'est quelqu'un qui demandait tout à l'heure s'il y avait les extensions. Il y a bien les extensions. Oui, il y en a pas mal. Hein. C'est quoi le classement? Ça nous amène où? Oh là là, j'ai cliqué. Oh là là. Oh, les scores, les mecs, Proxy, il a fait 22 280 points, il est incroyable. Army Quan, j'ai fait 109 points. J'ai fait 109 points, ok. Je suis 117 millième. Retour. Elles sont cool. De quoi les extensions? En tout cas, c'est cool parce que vous avez un tutoriel quand même qui vous montre comment jouer avec chaque faction de base. Si je vais là, en fait, moi j'avais fait les deux de la marquise et la canopée. C'est vrai que j'ai pas fait l'alliance de la forêt et le vagabond. Et après, avec les extensions, vous avez le tutoriel de chaque chose quand même. Partie locale, on peut jouer, mais il faut se passer la souris, etc. Donc, c'est pas top. Top 117 000, c'est pas mal. Ouais, c'est pas mal, quand même. En vrai. C'est plutôt cool. Bon, mais voilà. Un jeu à cosplay. C'est vrai que c'est un jeu à cosplay, oui, hein, Route. Oui. Je suis assez d'accord. Franchement, le graphisme du jeu est quand même dingue. Le graphisme est cool, et moi, ça me... Et la BO aussi. Bon, peut-être vous en avez marre maintenant de l'entendre depuis tout à l'heure, mais... Tu retrouves pas face au lézard, hein, Mikon, tu vas pas aimer. Au festival, on les a eus. Chips, elle a joué le lézard, c'était horrible. Elle sacrifiait les gens pour faire son culte et tout, c'était excellent. Il y a une faction tortue. je crois que c'est les lézards. Je crois que il n'y a pas encore les tortues. Non. Mais le jeu est cool, hein. J'avais envie d'y rejouer. Là, j'avoue que ça m'a bien plu, finalement. Mmh. Mais moi, j'aimerais bien mieux maîtriser les classes. Ce serait... Faut voir si on arrive à convaincre le Dams ou d'autres gens de l'avoir. Bien immersif, cette version Steam. Moi, je suis d'accord. Ouais. Elle est jolie, hein. C'est joli, c'est plutôt cool. On va continuer d'écrire à Dire Wolf. On aimerait bien travailler un peu... Non, en plus, pour de vrai, avec Dire Wolf, plus... comment dire, profondément, parce que ce serait cool de pouvoir vous montrer les extensions, les jeux, faire des OP avec eux, etc. Ça me plairait vachement de faire des OP sur ça, quoi. Plus que sur des jeux qu'on plus que sur voilà, plus que sur les fourmis, quoi. Donc, mais le problème, c'est que c'est un studio anglais et on représente pas grand-chose, quoi. La version Dune est vraiment bien. Ouais, bon, on les a contactés, hein, pour Dune, mais pas de réponse, quoi. Ce qui est compliqué, toujours pareil, c'est ça. Donc, ce qu'il faudrait, c'est avoir un bon contact déjà chez Matago, par exemple, ici, pour Root. Et derrière, avec ce contact, arriver à avoir un bon contact chez Dire Wolf, tout est une question de réseau, quoi.
Et oui. Mais ça nous permettrait de vous montrer plus de choses, faire une émission régulière. Ouais, parce qu'on se petit à petit le réseau. Mais... J'avais pensé à ça, un rendez-vous par semaine, comme ça pourrait être pas mal aussi, où on fait, ben, on vous montre ça, ou les nouveautés, ou l'actualité, et ça pourrait être cool. Parce qu'ils en font quand même pas mal, des adaptations. Voilà. La Dune est vraiment réussie, donc. Ben, Route aussi, hein, je trouve que oui. Ça donne envie de tester leur autre chose, hein, en vrai. Voilà. Bon. On va continuer de creuser là-dessus, de toute façon. Comme dirait Didou, le nom, tu l'as déjà. À toi d'aller gagner le oui. On va voir si on se fait un petit raid. J'imagine qu'il doit y avoir Erwin, on est vendredi, non? Erwin qui dessine. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre ou pas? Parce qu'il va peut-être en avoir marre qu'on vient de l'embêter tous les vendredis. Est-ce qu'il y a quelqu'un en board game? La vraie question, elle est là. Board game, so. Pas vraiment. Pas vraiment, il n'y a personne. Non. Eh bien, écoutez, si est-ce ça vous va... Il y a du Aura Arcane JCE, mais bon... Elle est en board game? Je la vois pas en board game. Non, elle n'est pas en board game. Ah, elle est en miniature. Elle est en tout petit. Elle fait un kit de mini-serre en papier. Eh ben, elle n'a pas du board game. On va aller... Ah oui, un kit de mini-serre... Oh, c'est Mimi, c'est tout pipou. On va aller voir ça. En tout cas, merci d'avoir été avec nous. Ce soir, on est là sur du Bitoku avec l'extension Réseau Torrent. Réseau Torrent, ce soir, donc à partir de 20h15, on sera là. Prévoyez la soirée. Hein. Ah ouais, là, je pense qu'on va bloquer le dance. Non, on a déjà joué. Je crois qu'il est timé le jeu. C'est 4 manches, il y a 4 actions, 4 tours par manche, donc ça va. C'est pas très compliqué. Et Réseau Torrent, on va prendre l'extension de base. Il y a 4 modules. On va prendre le premier module qui ajoute pas grand chose, donc ça va. On va vous présenter ça ce soir. Mais là, il faut que j'aille installer, que j'aille réviser la règle, que j'aille chercher la petite à pied, peut-être que je fasse un bout de jardinage. Bref, un milliard de trucs à faire dans notre vie trépidante. On se dit à tout à l'heure. Allez, ciao, ciao, ciao.